Eh, la partie 1 a marché là. Ah mais c'est bon, ils ont enfin atteint les 300 commentaires, 300 likes. Bravo, merci bravo, beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. On ne prend pas ça du tout pour acquis. C'est, je sais, pour vous, très intéressant et très important de donner de votre temps et qu'on aussi on vous reconnaisse le temps donné. Par contre, si vous êtes là avant de regarder la suite, parce que vous l'attendez avec impatience, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour nous aider à faire grandir, à continuer à avoir des invités d'aussi grande qualité et facture que Fabrice. Et pour que vous puissiez ne pas manquer les bons contenus qu'on fait, parce que croyez-nous, cet épisode était sûrement bien, mais il y en a d'autres qui arrivent qui seront, on espère, aussi bien. Donc, avec vous, rejoignez aussi, si vous le souhaitez, la communauté Telegram. On a un groupe Telegram qui vous permet de justement co-construire le podcast, choisir de nouveaux invités, de thèmes, poser des questions en anticipé, comme vous avez pu voir, notre chère amie Ren est un malheureux exemple, mais d'autres ont contribué avec plus de succès. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait dans ce décor-là, ah, justement, abonnez-vous et rendez-vous dans 2 semaines. Vous en serez plus. Bon épisode. Bon épisode. C'est parce qu'il est ami de beaucoup de présidents de République que c'est facile pour lui. Non, mais en fait, il y a quelque chose qui est rigolo d'abord. Je suis l'ami d'aucun président de République. C'est ce que les gens pensent. J'ai travaillé pour beaucoup de présidents de la République, mais je ne suis pas l'ami des présidents de la République. Ah, ils viennent te chercher pour une expertise. Une ils ne viennent pas me voir pour dire Fabrice, allez, viens, on boit le café, on va jouer au golf ensemble. Non, je suis un professionnel. Ouais, tu bosses avec des personnes qui ont confiance en moi et j'en suis très fier parce que j'ai acquis cette confiance-là par le travail. Oui. Ces gens-là ont un peu de respect pour ma capacité à les aider professionnellement, techniquement dans le métier que je fais. Pour moi, c'est un grand honneur de les servir. Donc, ce n'est pas mes amis. Ce sont mes clients. Tu entends ça? Pour certains, des aînés que j'aime beaucoup. Pour d'autres, des pères. Mais ce n'est pas mes amis. On n'est pas au même niveau en train de rigoler ensemble. On n'a pas élevé les cochons ensemble. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Non, c'est important. Parce que les gens... Jean, je vais expliquer ça. Et en plus, moi, j'arrive au marketing politique parce qu'il y a un coup d'État en 99 en Côte d'Ivoire et que le business de la communication est en train de mourir. Je me dis, où sont les opportunités? Où sont les opportunités? Et je regarde, je vois que toutes les campagnes politiques sont faites par des agences internationales. Je me dis, mais il y a peut-être un créneau là sur lequel on peut aller. Je réunis mes gars, je dis, les gars, on va faire un peu de marketing politique. Non, on a bien taffé, Fabrice, parce que tout à l'heure, j'ai dit à Moulay, j'ai dit, tu sais, j'ai vu que il a créé sa société et un an après, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et donc, comment il a fait, parce que moi, c'est ma hantise. Toi, tu as dit un an même, tu es gentil. Moi, je monte Vaudou, on lance Vaudou en juin 99. Le coup d'État, c'est en décembre 99, 6 mois après. Donc, j'étais curieux de savoir. Je fais quoi? Ok. Donc, il fallait que je trouve de nouvelles opportunités professionnelles. Et donc, c'est en réflexion qu'on se dit... Écoute, on va faire du marketing politique. Il y a un marché là où il n'y a que des Européens, des Américains et tout. Et donc, on commence à construire notre offre. Et donc, c'est une démarche mais d'opportunité professionnelle. Pragmatique. C'est du pragmatisme. Et on travaille. Et donc, vas-y dire que toi, tu as 27 ans, tu as 28 ans, tu as 29 ans. Tu allais dire à un président de la République africaine, c'est-à-dire que c'est le président qu'on avait avant, Bongo, Eyadema, Kérékou, tout ça que toi... Tu vas gérer leur com. Tu vas gérer leur com, alors qu'ils gèrent les com avec des grosses agences françaises, américaines. Mais donc, moi, quand je vois les gens qui disent oui, c'est parce que. Ils doivent me féliciter d'avoir pu avoir la confiance. Et d'avoir survécu pour arriver là. Parce qu'eux, ils voient que le résultat. En fait, ils sont là. Non, c'est... Non. Il n'y a personne. Je ne sais pas dans la rue, en train de marcher. Un peu d'homme politique m'a dit. Ah, tu marches bien. Toi, t'es un bon gars, toi. Ta démarche, elle est bien chaloupée. Bien travaillée pour moi dans la politique. Non. Je suis allé me battre dans des compétitions. Quand je gagne la campagne du président Ado en 2008, où on fait la compétition, il y a 7 agences en compétition. Il y a 7 agences. Donc, je gagne une compétition. Donc, que les gens arrêtent de penser qu'on lui a donné... Parce qu'on était potes. Parce qu'on était potes, parce qu'on le connaissait. Ouais. Les légendes urbaines. Les légendes urbaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on est dans la technique. Est-ce que cet appel d'offres, par exemple, toi, avec le recul, tu dirais qu'est-ce que vous avez fait comme travail, tu dirais qui vous a fait gagner? Et c'est pas parce qu'on s'intéresse beaucoup à la politique, mais je pense que beaucoup de gens sous-estiment la part du travail qu'il y a eu derrière. Ils pensent que ça a été du relationnel. Je suis sûr que si tu as dit la phrase là, on a gagné sur 7. Ils vont se dire, comme il était local, il a peut-être été plus relationnel. Non, je pense que des agences locales. Que des agences locales. Ok. Cette agence locale,
Et du coup, je n'ai pas dit de nom ici, mais voilà. Tout le monde se connaît. Hein. On se connaît au village. Non, mais je pense que peu de gens sachent, enfin, en tout cas, dans le grand public, il y a eu cette compétition-là. Cette agence, c'est énorme. C'est énorme comme compétition. Mais bien sûr. Et nous, on arrive à la compétition. Puisqu'à l'époque, en plus, c'était quand même une période un peu difficile. Hein, on rentre dans la préparation d'un pitch. Voilà, c'est une période difficile pour toi. On avait un peu peur aussi, parce que tu sais, le pays n'était pas simple. Oui, c'est ça. Dès que tu avais un parti pris, même professionnel, on assimilait un parti pris politique. Donc, tu peux perdre des opportunités. Ah, bien sûr, pareil. Absolument. Tu peux finir en prison. Donc, même nous, on est arrivé à cette compétition un peu... Tendue en disant... Ben, même si on gagne, on n'est pas sorti de l'auberge parce que that will be hot. C'était quelle année ça? 2008. Parce qu'en fait, l'élection présidentielle doit avoir lieu déjà en 2008. Elle a reporté plusieurs fois. Ce qui nous emmène en 2010. L'élection 2010, puis la crise. Il faut que tu saches. Donc en fait. Moi, c'est intéressant parce que moi, je suis pas au courant de tout ça. Comme sinon, c'est le report successif d'élections qui nous emmène en 2010. Donc nous, moi, je fais mon appel d'offre début 2008. Parce que l'élection doit avoir lieu en 2008. Et donc techniquement, nous, on arrive là, on s'est dit bon, on va les choquer un peu. On va être chaud. On va être chaud pour qu'ils nous disent non, on ne veut pas de vous, vous êtes trop chaud. Donc j'arrive d'abord dans mon jean déchiré, tout ça, bien. Ouais, parce qu'à l'époque, moi j'étais plus jean déchiré, tout ça. Tu vois. Ah bon. Et donc on arrive, on dit les choses. Dites quoi? Mais on dit les choses, bon. Attendez, je veux savoir. On dit les choses, mais. Bien tenté. Attendez, non, tranquille. Qu'est-ce que vous avez dit que je n'ai pas dit? On dit des choses difficiles à entendre pour des leaders, tu sais, qui sont. Diagnostiques, tu connais ça? Ah là, les experts des appels d'offres commencent à parler. Excusez-moi. Mais le peuple ne connaît pas tout ça. Mais le diagnostic est. Est dur. Dur. Hardcore. Big time. Diagnostic dur. Big time. Big time. On s'est dit même qu'ils vont nous chasser. Mais tu connais pas ado. Quand on a fini ça là, le lendemain il m'a fait appeler à son bureau. Et il était là du coup dans le diagnostic. Mais bien sûr, un appel d'offres, il y avait 20 personnes dans la présentation, dont le président lui-même et son épouse. À l'époque c'était le candidat. Donc le lendemain il m'a fait appeler au bureau. La tension devait être haute. Il m'a dit mais Fabrice, je trouve que tu dis les choses, hein. Je trouve que tu as le courage de dire les choses et de ne rien cacher. J'aime beaucoup ça, c'est avec toi que je vais travailler. Parce que je veux que les choses soient dites, que les gens disent les choses. Waouh. Là, t'as même pas 40, t'as même pas... T'as la trentaine. Oui, bien sûr. Donc, ado, il me choisit sur la base que j'ai dit les choses. Ouais. Ouais. Et que je suis pas venu essayer de maquiller, caresser dans le sens du poil. Mais t'as pris un risque quand même significatif. Et il me dit, c'est à partir de ça maintenant qu'on va build. C'est sur ça qu'on va travailler. C'est sur ça qu'on va travailler. Ah... Bah oui. Et non, je connais peu de gens qui auraient pu faire ça. Et on sort la solution. Ado solution. Belle expérience professionnelle. L'une de mes plus belles. Enfin, en termes politiques, c'est la plus belle. Maintenant, bon, voilà. J'ai eu d'autres expériences en dehors des campagnes politiques, mais au niveau politique, c'est la plus belle. Non, mais j'ai vu qu'à un moment, tu as donné une stat. 15 campagnes présidentielles gagnées sur 17, c'est ça la stat que tu avais dit? Ouais, 15,5. 15,5. Tu as dit un demi d'ailleurs qui m'a fait rire. J'ai dit, mais. Ouais, le demi, parce que je le dis toujours, bon, à chaque fois mes associés disent Fabrice, pourquoi tu dis ça, mais je le dis toujours, ça me fait rigoler. En fait, on a travaillé pour le candidat qui était le premier ministre béninois à l'époque qui s'appelait Zensou, Lionel Zensou. Ah, Lionel, oui. Voilà, donc il était candidat à l'élection présidentielle au Bénin. Et on a travaillé pour lui au premier tour, donc il est arrivé en tête. Et comme on n'a pas été payé, ben, on n'a pas travaillé au deuxième tour. Ah, ça, c'est la vraie vie, ça. Je le dis parce que c'est bien. Comme ça, tous les candidats qui ne veulent pas payer leurs factures, ils savent qu'ils risquent de perdre. On va les exposer. Mais oui. Donc, il perd après. Il perd après. C'est pour ça que je dis le demi. Parce qu'en fait, nous. Ah, j'aime beaucoup le calcul. Il y a eu le premier. Exceptionnel ce calcul. Il y a eu deux tours. Il y a un premier tour où il arrive en tête au premier tour. Donc vous gagnez. Donc on a gagné. On a gagné le demi. Donc le demi. Maintenant, on doit le deuxième tour. Mais monsieur. Monsieur n'allonge pas. Il ne veut pas payer de bière. So, donc vous remballez. On a remballé les enfants, on est rentrés. C'est fini. Donc les enfants, hein, ça coûte cher, il faut les nourrir. Hein. Non, mais, et ça c'est très important ce que tu dis, parce que je pense que beaucoup de gens s'imaginent qu'en politique, pour eux, alors peut-être moi qui suis complètement ignorant de ce domaine, on s'imagine qu'en fait, genre, il n'y a jamais de problème. Je ne sais pas comment le décrire, on a l'impression que c'est... Ah non, si, il y a souvent des problèmes. En fait, on a l'impression que c'est l'entrepreneuriat qui est plus simple. Je ne sais pas comment le décrire. Il y a beaucoup de problèmes. Après, c'est vrai qu'on a des profils de clients différents. Ouais. Il y en a qui sont très structurés. Bon, toujours, à chaque fois que je parle du président Ouattara, on dit oui, c'est parce que tu es en Côte d'Ivoire son président, que toujours tu parles de lui comme ça. Mais franchement, il y a une raison. L'une des personnes les plus structurées que j'ai vues sur la Terre, c'est que depuis que je suis Niska aujourd'hui, il s'appelle Alassane Ouattara. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'il est carré.
tu peux pas. Tu t'es dit que quand tu vas le voir, même tu es obligé de faire tes petites notes, de bien tout réviser avant. Ouais, ben. Bah, parce que ces questions sont précises, sa démarche est structurée, vraiment. Mm-hmm. Et est-ce que je peux jusqu'à y genre faire un. Ce moment appelle un rewind pour moi parce qu'à la Alassane Ouattara, les gens savent que ben, son parcours explique aussi pourquoi il est. J'aimerais que tu parles un petit peu, parce qu'on n'en parle quasiment jamais, de quand tu étais salarié. Parce que oui, les gens. On allait monter vite, mais c'est vrai qu'on voulait vraiment. Salarié, non, je t'en prie. Parce que les gens ont besoin de c'est pour aussi que nos salariés écoutent. C'est pour que nos salariés aussi. Non, parce qu'on dit, notre théorie, c'est que. Si tu, parce que tout le monde veut entreprendre. Bien sûr. Tu vois, je pense aussi, tous tes salariés, etc. Absolument. On va expliquer que tu ne peux pas être un mauvais salarié et puis tu vas être un bon entrepreneur. Ah non, entrepreneur. C'est donc, c'est de revenir à... Tu es chez Macan avant, hein, c'est ça? Avant, non. En fait, quand moi, je... Non, avant d'aller chez Macan, il était dans le cimenterie, il a dit non. Ah ouais, bon. à peu près. À peu près, je t'explique. Alors, en fait, le jour... En fait, moi, ma vie change le jour où je vais... On a les journées de gestionnaire commercial. J'ai fait GCA. Mm-hmm. Ça s'appelle gestion commerciale que j'ai fait. À l'INPHB. Et donc, enfin, l'INSET à l'époque, parce que quand je dis l'INPHB, c'est pas nous. Nous, c'était l'INSET. Et donc, le jour, en fait, des journées de gestionnaire commercial, c'est nos manifestations de fin d'année, ouais, pour nos diplômes et tout. Okay. En fait, on invite des professionnels, okay, à venir faire des conférences, à venir, ainsi de suite. Et puis, c'est moi qui suis le MC de toutes les cérémonies. Ah. Comme je parlais beaucoup à l'époque, j'avais le micro tout le temps. Donc bon. Les gens aimaient bien que je sois. Ah, mais attention, c'est du taf. Fabio Capello, tu vois. Fabio, c'est là, tu coordonnais. Fabio, je coordonnais tout. Donc, je prends le micro et donc, à la fin de mes interventions, il y a un Français qui était là, qui s'appelle Christophe Niedot, qui vient me voir, qui me dit: ah, mais je trouve que vous êtes dynamique, vous êtes. Vous avez déjà trouvé un boulot? Je dis non. On finissait vendredi, quoi. Je ne devais pas être à Abidjan le week-end, c'était fini. C'était fini, donc tu allais les chercher à ce moment-là. Il m'a dit, bah, écoutez, moi je suis directeur commercial de Jalafrique. Peinture, oui, c'est ça. Voilà, ça s'appelait Sadofos Jalafrique. Peinture et toll, mais c'était le groupe Metal Ivoire, tu vois. Donc il y avait la partie couverture, toll et tout. Donc Metal Ivoire, Jalafrique. Et il me dit, on recrute un commercial. Et que ça t'intéresse? Je dis, ben ouais. Et donc moi, en fait, avant d'arriver à Abidjan, j'avais déjà un boulot. Donc lundi, il me donne rendez-vous au bureau. Donc déjà, tu étais un étudiant hors pair. Bien sûr, puisque en fait, je me suis... Et pas sur les notes, sur les choses qui comptent. Mais tu comprends. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours... Non, mais tu fais bien de faire cette pause. Non, parce que les gens croient que c'était dans les notes que ça se jouait. Non. Mais j'avais même pas dit des choses parce que... Enfin, c'est pour ça qu'après on m'a dit que je suis peut-être pas... Je suis prétentieux, c'est pour ça que je ne veux pas en parler parce que... Non, je me souviens pas, il y a les premiers de classe que j'ai eu. Tu ne te souviens pas d'eux? Je sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Clairement. Ça veut pas dire qu'il faut pas être premier de classe. Oui, oui, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est pas ça le but d'une vie. Le but d'une vie, c'est pas d'avoir de bonnes notes. C'est bien d'avoir de bonnes notes. C'est un bon outil. C'est un bon outil. C'est un truc. Mais après ça, la vie, c'est plein. Quand j'ai dit aux jeunes, la dernière fois, je sais pas à qui je parlais, quand tu vas signer un contrat, tu parles du contrat pendant 5 minutes. Pendant 2 heures, vous parlez des choses du monde. C'est très vrai. Vous parlez de la guerre en Ukraine, vous parlez. T'as intérêt à savoir. Voilà, bien sûr. À être cultivé. Bien sûr. Le jour où moi j'ai rencontré le président de M6 quand je travaillais sur la télé, il m'a dit: ah, mais c'est bien, on a parlé un peu de la télé. Puis il m'a dit: mais alors, ce que tu fais? Mais je lui ai parlé, il m'a dit: oui, lui, il adore l'art, depuis sa famille et tout, ils ont des sculptures d'art africain. On est resté dedans, on a parlé de ça pendant combien de temps? Et c'est là où les liens se font. C'est là où les liens se font. Le lien se fait pas sur combien de caméras tu as à ta télé. Non, c'est ça. C'est ça le sujet. Et donc, fondamentalement, tu vois, c'est important de dire aux jeunes: oui, il faut aller à l'école. Je dis à tous, allez, allez. Faites de bonnes études et soyez studieux à l'école. Mais vous êtes 300 dans l'amphi. Il y aura 300 carrières différentes. Amen. Alors que vous avez 300 diplômes équivalents. Amen. Vous aurez 300 carrières différentes parce qu'il y a 300 personnalités différentes. Ce qui fera la différence, c'est vos valeurs, c'est qui vous êtes. À un moment donné, on ne cherchera pas celui qui est fort en géographie. On cherchera celui qui est innovant. À un moment donné, on ne cherchera pas celui qui a compris Avogadro en paix. On cherchera celui qui a le courage de travailler tard. Tard, oui. Travailler beaucoup. Celui qui a la capacité de travailler en équipe. Celui qui est capable d'être un leader, et ainsi de suite, c'est celui-là qui va être projeté devant. Et donc, à un moment donné, souvent je fais dans mes conférences, je mets des photos des grands hommes, ce qu'on appelle les grands hommes, ce qui nous ont marqué, Nelson Mandela, enfin, tout ce que tu veux. Et puis je dis: bon, quelles sont les valeurs que vous rattachez à ces gens-là?
Jamais on m'a dit, ah lui là, il était fort en algèbre. C'était un bon élève. Il connaît Caillé. Tu comprends ce que je dis ou pas? Il connaît Caillé. Donc je dis, la base, c'est l'école. Mmh. Mmh, ça, sûr. C'est la base commune à tous. Bien sûr. Maintenant, ce qui te fait transcender. Mmh, exact. Mmh. C'est tout le reste. Il y a des gars qui ont fait Harvard, ils font quoi aujourd'hui? Rien de bon. Mmh. Donc ce n'est pas l'école. C'est-à-dire que si tu n'as pas la personnalité qu'il faut, mais si tu amènes la meilleure école du monde, tu vois, en fait, tu as fait un truc mièvre à la fin. Et donc, fondamentalement, c'est pour ça que je suis sur les valeurs, tu vois. Je parle sur la personnalité. Et c'est pour ça que moi, alors les gens ont dit, ouais, mais écoute, tu ne me déstabilises pas. Hein. C'est compliqué. Non, c'est compliqué. Bah, parce que moi, dans ma vie, j'ai accepté que je ne suis pas parfait. C'est simple. J'ai accepté que je peux échouer. Donc, un échec pour moi, ce n'est pas un sujet. C'est un jalon sur le chemin en avance. C'est tout. J'ai accepté que je ne suis pas parfait. Donc, je ne sais pas d'être le meilleur. Mais je donne le meilleur de moi-même. Et c'est impressionnant parce que tu vois ce que tu viens de décrire. Je pense vraiment que beaucoup de gens, malheureusement, ne l'entendent pas assez souvent et pensent que ça ne se joue que à quel point ils suivent les règles qu'on leur donne. Et c'est pas des règles qu'on donne, ça. Bon, j'espère que nous, en nous écoutant, les gens vont dire des règles. Moi, je veux pas être le meilleur. Moi, je veux juste être heureux. Je veux être content de moi. Amen. Je veux être content de moi. Je veux être heureux. Je veux faire des choses que j'aime. Je veux que les gens autour de moi. Tu sais, moi j'ai. Alors, l'autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que moi, j'ai. J'ai un ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble de définitions. Tu te souviens quand tu étais à l'école, ça s'appelait les ensembles de définitions. Bien sûr. En fait, moi, il y a trois choses qui sont essentielles pour moi. C'est moi, c'est Dieu, et c'est les gens que j'aime et qui m'aiment. Très bien. Ça, c'est mon domaine de définition. En dehors de ça, là, va loin. Ça ne te touche pas. Ça ne me touche pas. Ça glisse. Tout ce qui n'est pas dans ces trois trucs-là. Vous allez me dire, mais on te critique beaucoup. Comment tu fais pour... Mais ça ne me touche pas, les gars. Mais c'est l'un des plus gros sujets, je pense, qu'on voulait voir avec mais toi. Ça ne me... Mais je te réponds d'avance. Ça ne me touche pas. Si, si quelqu'un que j'aime ou qui m'aime est touché par... me dit quelque chose, ouais, là, ça, peut ça a du sens pour moi. Si je fais quelque chose qui n'est pas en phase avec mes propres valeurs, ça a du sens pour moi. Là, tu donnes de la valeur. Si je fais quelque chose qui n'est pas en phase avec les valeurs divines auxquelles je crois, auxquelles je me rattache, ça a du sens pour moi. Mais il y a un gars, il a Zionoula. Il a eu 200 francs pour charger son téléphone. Il est allé sur Facebook. Ce monde. Il a vu la tête des Fabrice. Sa tête est pointue ici, là. Il est parti sa tête, comme ta père. Tête pointue. Bravo, frangin. À nous aller. Est-ce que ça change le goût de mon aloko, de mon gachaka de midi? Mais par contre, Fabrice, tu tiens à cœur. Alors, je ne sais pas si c'est du coup le Fabrice que tu nous as décrit à 15 ans, mais tu es aussi connu pour parfois faire des réponses piquantes. Bien salées. Ça, des fois, tu ne laisses pas aussi les gens sur la salle. Ça, vous ne comprenez pas. Ça, je vous donne le secret aujourd'hui. Ok, alors ça c'est le petit piment. Ça, c'est le piment. Ça dit que tu sais que. De temps en temps. Tu sais que pour cuisiner, il faut un peu de piment. Tu sais que la légende urbaine, là, il faut qu'elle persiste quand même. Il faut la nourrir un peu. Ça, c'est la manipulation. Ça, j'allais pas le dire. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois de temps en temps raviver les flammes. Donc, quand c'est trop. Quand c'est trop plat. Quand c'est plat. Ça va pas. De temps en temps, tu mets. Tu jettes un peu de. Tu jettes un petit biscuit pour que les gens croquent. Et ça fait sourire. Donc en fait, moi, ça me fait sourire. Si tu me vois chez moi, au moment où je fais ça, je suis pas en train de dire. Quoi? Tu es pas en colère. Non, je suis en train de dire. Oh, attends, ce gars-là, je lui fais un petit kamchak là, rapide. Non, je rigole. Et je sais de qui va venir derrière. Je sais, mais c'est pas grave. Donc, pour toi, c'est un plaisir. Je te fais une confidence. Tu sais, moi. J'ai pensé ma vie et je l'ai organisée. Très bien. Si là, tu vois Fabrice habillé en blanc, c'est pas le hasard. Si tu me vois habillé en jaune, si tu me vois marcher d'une certaine façon, c'est pas le hasard. J'ai révisé tout ça devant mon mur. Tu l'as travaillé. Je l'ai travaillé. C'est aussi là le travail, ce que bien les gens sûr. Ne voient pas. Donc je me laisse pas surprendre. Comme ça, là, par les fêtes ou par l'extérieur, non? Donc, même tes réactions qui peuvent paraître spontanées de l'extérieur sont le fruit d'un travail. Sont le fruit d'un travail. J'ai un positionnement personnel auquel je tiens. Mais du coup, Et donc, je le construis. Tu l'alimentes, ouais. Je l'alimente. Ça va plus loin. Ça ne me gêne pas qu'on dise, écoutez, je suis un publicitaire. En quoi est-ce qu'un publicitaire a besoin de plaire à tous? Non. Au contraire, un publicitaire, c'est quelqu'un qui a des partis pris.
Il faut être polarisant. Ouais. C'est quelqu'un qui a des points de vue. Oui, bien sûr. Mmh. Donc, que tu, si on me définit comme quelqu'un qui a des partis pris, un point de vue qui ne sont pas en phase avec tous, je suis dans mon rôle. Exact. Donc, les gens vont dire, ouais, mais Fabrice, mais moi, je suis dans mon rôle. Et c'est ce qui a fait que tu as pu avoir des contrats incroyables, comme ce qu'on a dit avant. Tu comprends. Ouais. Et donc, moi, je ne suis pas en train d'essayer de répondre à la plèbe. Mmh. Exactement, la plèbe, merci. La plèbe. La populace. C'est que tu as parlé. On va garder ce mot. Non, mais ça, c'est comme non, mais je veux pas que. Parce que le mot plèbe, il ne faut pas que ce soit pris comme un mot négatif ou dégradant. Hein. Oh, c'est pas ouais. Moi, j'ai les médiums. La... Non, on parle de tous ceux qui sont méchants gratuitement, tu vois, qui veulent toujours juger les autres, alors que chacun a sa petite vie, chacun a ses petits problèmes, chacun doit gérer, chacun doit se battre. Mais il y en a qui estiment qu'eux, ils doivent te juger. Ils savent. Comme il y a une là qui s'appelle Sonia, comment tu as dit là Reine, comment tu m'as dit Reine Sonia. Reine Sonia. Non, mais. Elle s'est retrouvée. Tu vois, il veut la protéger. Tu vois, non, mais. Kai, non, mais c'est important parce que quelqu'un est chez elle. Toi, tu la connais même pas. Tu sais pas ce qu'elle fait de sa vie. Tu sais pas ce qu'elle a mangé ce midi. Tu sais pas quelles sont ses ambitions. Qu'est-ce qu'elle réalise. Et puis, elle dit. Reine sous le bus. Elle dit. Mais pourquoi il se croit plus malin ou plus intelligent que tous. Donc, en fait, quand elle me regarde, elle a le sentiment que je suis plus intelligent qu'elle. Je pense. Donc, c'est elle qui a un problème avec elle-même, c'est pas moi. Moi, je l'ai jamais dit. Oh, oui, c'est bon ça. Moi, je l'ai jamais dit. Et c'est ça le sujet. Reine, et donc, vraiment. Le commentaire là va être attendu. Vous tous, non, allez en commentaire et cherchez Reine. Tu comprends pas. Ouais. Et donc, c'est un vrai sujet pour moi. Parce que fondamentalement, jamais moi je me. Mais y a... Celui qui est heureux dans sa vie, il n'est pas heureux parce qu'il est plus intelligent que l'autre. Celui qui est heureux dans sa vie. Quand tu vas répondre comme ça, là, on comprend effectivement la subtilité, mais c'est vrai que sur les internets, ils vont se dire ah, ça l'a piqué. Non, mais ça m'a piqué. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est être heureux. Amen. Donc, je veux être en phase avec moi-même. Donc, je ne veux pas savoir si... Quand tu es heureux, tu as atteint une plénitude, c'est intérieur. C'est pas l'extérieur. Mais de temps en temps, un petit piment pour... Et donc, les gens, ils sont là. Eux, ils pensent que toi, tu te définis par rapport à... Non. Il faut que les gens comprennent qu'il y a pas... Moi, mon domaine de définition, là, c'est pas ça. Ça inclut pas les autres. Ça inclut pas l'extérieur. Et ça, c'est beau parce que je pense pas que moi, le mien... aussi implique pas vraiment les gens, mais quand même, j'ai quand même ce truc de me comparer beaucoup. C'est non, vraiment... moi, je me compare pas du tout parce que je considère que chacun a son parcours, chacun a sa vie, chacun a sa... Et puis, moi, tu sais, moi, mon grand-père, et il habitait un village où il avait pas d'eau, où il avait un puits qui faisait peut-être, qui était au bout de 30 mètres, il y avait une poulie comme ça, il fallait tirer la poulie comme ça pour remonter le truc. Il n'avait pas de courant. Et puis, quand il venait à Abidjan, chez nous, à la maison, dans le courant, bien ça, il disait, ah, il veut repartir au village. Je disais, mais tu as fait quoi au village, mon frère? C'est compliqué, le village. Il dit, ah, c'est là-bas que je suis heureux. Le mec, il était heureux sans courant, sans rien. C'est beau. Et il était plus heureux que quand il était chez nous à la maison en ville. Donc, qu'est-ce que tu veux que... Le bonheur, là, c'est la notion la plus relative du monde. T'as pas, c'est pas parce que tu as accumulé que tu es plus heureux. Ouais. C'est pas parce que tu as... Non. Le bonheur, c'est intérieur, c'est une plénitude. C'est un sentiment de satisfaction, de... Je sais pas, d'accomplissement, de plénitude. Ouais. Tu vois, ouais. Donc, tu peux pas. Moi, je dis, ce que chacun doit poursuivre, c'est son bonheur. Oui. Et arrêter de juger les autres. Arrêter... Moi, jamais je dirais, ah, mais lui, il pense qu'il est plus intelligent que moi. Lui, il pense, moi, je pense rien du tout. Moi, je fais ce que j'ai à faire, j'avance. Fabrice Salarié, alors. Non, je pense que tu veux qu'on revienne sur le salarié. C'est intéressant. Parce non, que, du coup... En fait, juste pour comprendre la transition, parce que c'est vrai que là, déjà, rien qu'avec l'exemple de comment tu étais étudiant, on a compris. T'as réglé plein d'employés. Mais parce que moi, j'avais lu que très tôt, très jeune, eu de très grosses responsabilités dans. Je pense que c'était chez McCann. Tu gérais plusieurs pays. Oui, bien sûr. En fait, quand je suis parti chez Metal Ivoirs en Afrique, j'étais embauché d'abord comme coordinateur des ventes. En fait, je suis responsable des ventes au niveau local à l'usine. Donc, tu avais 21 ans? Oui, parce que j'ai fait un bac plus 3. C'est ça, 21 ans. Enfin, facile, hein. Donc, 21 ans et demi. J'ai commencé à 21 ans et demi quand j'ai commencé. Okay. Donc, je me suis assis là-bas. C'est moi qui recevais les clients qui venaient à l'usine acheter de la peinture. Donc, tu essaies de les faire. Le gros poste là, coordinateur des ventes là. C'était juste, tu recevais les gens. C'était toi. Tu étais assis derrière ton bureau. Un gars vient, il dit, il veut de la peinture, on te l'envoie. Combien de pots de peinture tu veux? Vini Jalo. Je veux 10 pots. Et puis tu organises la livraison, tout ça. Voilà. Mais c'est bien. C'était ça mon rôle. Ça a duré 6 mois. Et puis après ça, il y a eu un poste qui s'est libéré, sur un poste de commercial extérieur. C'est-à-dire que ceux qui allaient vendre dehors, dans les quincailleries. Ils avaient une voiture de service et ils allaient vendre dans les quincailleries. Et donc, un poste s'est libéré pour la zone nord. La zone nord, c'est la zone Cocody, Yopougon, tout ça. Tu vois? Et donc, on m'a proposé le poste. Et donc, j'ai pris le poste. Et donc, j'avais une voiture, j'ai l'Afrique.
Donc, une voiture, c'était une Toyota Corolla blanche. Tu roulais dans ça. Voilà. Donc, on l'appelait la Jal. La Jal. Voilà. En fait, parce que quand je suis sorti de l'INSET avec un groupe d'amis, on habitait à 4 dans un appartement à la Riviera Golf. Et je connais pas beaucoup de gens qui. Les gens veulent habiter seuls dès le début, je crois. Non, mais c'est pas possible. Il faut pas justement parce que ça te fait dépenser trop d'argent. Est-ce que tu te souviens de ton salaire? Je crois que tu avais donné 180 000. 180 000, la Jal Afrique. Mon premier salaire, c'est 180 000. Voilà. Que les gens sachent. Voilà, à 21 ans. Tout à fait. Voilà ce que gagnait Fabrice avant de vouloir gagner ce qu'il a aujourd'hui. 180 000. Allez vous taper d'abord à cette époque. Voilà. Et quand j'ai commencé à sortir, j'ai eu des commissions en plus, mais les commissions étaient limitées. Bien sûr. Ça veut dire que tu avais des commissions qui étaient limitées. Exemple, on dit, si tu fais 100% de l'objectif, c'est que tu as 80 000 francs. Ah, amen. Si tu fais 50%, tu as 40 000 francs. Mais si tu fais 120%, tu as toujours 80 000. Ah oui, ok. Tu comprends? Donc, quand j'ai commencé à être commercial à l'extérieur, donc j'avais la Jal, parce qu'avec mes amis, on avait je racontais, il faut que je finisse ça. Bien sûr. On avait aménagé ensemble. Et donc, au début, on n'avait pas tous des voitures. C'est la voiture, la voiture commune. Moi, j'avais une vieille voiture à l'époque qui était une Subaru. Break 4x4 qui était une vieille voiture de ma mère qui avait 17 ans d'âge, qui était garée, qui était pourrie, que j'avais négocié avec ma mère pour la récupérer, pour la retaper. Elle m'a dit prends-la. Donc j'avais retapé la voiture, ça avait coûté 500 000 francs à l'époque. Bien. J'avais économisé un peu d'argent pour le faire. Et donc c'est moi qui déposais mes amis. Le matin, on cotisait 2000 francs de carburant, chacun mettait 500 francs. Wow. Et puis on mettait 2000 francs de carburant. Capello. Ah, Bella, tu vois le système de jeu. Est-ce que tu vois le système de jeu? et c'est moi qui les déposais chacun à leur bureau. Avant donc de partir, moi j'étais à Vridi. Et eux, il y avait un au plateau, il y avait un autre à sur le VGE. Et donc je les déposais au bureau avant de partir chez moi. Et au retour, je les prenais aussi. Et on revenait. Donc vous utilisiez tout. Maintenant, dès qu'il y avait des embouteillages plus compliqués que prévu, c'était gâté. Panne sèche. Il n'y a pas l'argent de laisser. Après, tu voyais, on poussait la voiture, on les poussait tous. Les voitures là. Et puis, tu sais, ce qui me faisait tourner, c'est que des fois, on poussait les voitures comme ça. Tu as les gars dans le bus qui se moquaient de nous. Et puis, on disait, vous n'avez pas de voiture, quittez là-bas. T'es toujours en contact avec. Ces amis-là? Oui, absolument. Aboubakar Koulibaly, d'ailleurs, qui est l'un des deux que je déposais. À l'époque, il bossait par exemple chez Axis. Sur le VGE, avec Brou Patrick, qui était le patron général de Axis. A été directeur général adjoint de Live TV d'ailleurs. Il est parti il y a un an à peu près. On a travaillé ensemble et tout. Voilà. Super. Bien sûr. Super, voilà. C'était ça notre cheminement. Et puis ce qui est bien dans nos histoires, c'est que c'est des histoires réelles. C'est la vraie vie. Tout le monde est encore là. Tout le monde, les gens, on peut les appeler. On peut les appeler pour checker. Donc c'est pas. Voilà, donc tu vois. Et donc on faisait ça. Et donc, moi, j'ai travaillé, ensuite, quand j'ai eu la Jal, donc c'était une innovation dans le groupe, parce que la Subaru n'était pas forcément, elle n'était pas climatisée, elle était vieille, elle était pourrie, elle était une voiture, donc subitement, on avait une Toyota Corolla break climatisée, donc le matin, je déposais les gars, on était bien et tout, donc bon, ça a été une bonne époque, et puis après ça, j'ai eu un jour, et c'est là, c'est un tournant important aussi, bien sûr. Mon patron qui s'appelait Vanier, monsieur Vanier, il me dit, Fabrice, je peux pas aller à l'agence de pub. À l'époque, l'agence de pub, c'était McCann. Ah. Il me dit, est-ce que tu peux aller me représenter? Donc, moi, je vais à l'agence de pub pour faire la réunion en tant que client. Quoi. Donc, mon patron ne veut pas venir. Comme il a vu que j'étais toujours un peu sur la com, j'étais toujours dynamique et tout. Il m'a dit, vas-y. Et j'arrive au plateau, à McCann. Je vois une entreprise jeune. Je vois plein de jeunes fashion. Je vois des jolies filles, des jolis gars. Tout le monde est beau. La belle vie. La pub, quoi. Tu donnes la pub. La pub. Ça, la pub. La pub. Pub. Ça te rappelle rien, ça? Pub. Exactement. Bah, tu vois, donc, tu arrives dedans et tu vois tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais à l'usine? les chemins de vie sont simples. Qu'est-ce que je te raconte? À l'usine, moi, j'avais 200 mecs qui étaient tout le temps sapés avec des blousons ou torse nus, tu sais, pour aller soulever des trucs de... C'est lourd la peinture. Oui, c'est parce que c'est de la poudre là, qu'il faut mettre dans de gros récipients qui t'offrent. Enfin, laisse tomber. Il y avait une seule secrétaire. Elle devait avoir 55 ans, elle était toute vieille. Et toute... Là, j'arrive dans un truc là. C'est jeune, c'est frais, c'est les idées. Et je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est sympa quand même comme ambiance. En fait, c'est comme ça que je découvre la pub en fait. Wow. C'est un choc. Moi, personne ne m'a jamais dit pendant tout mon circuit, il y a un métier qui s'appelle la publicité. Qui est sympa. C'est important ce que je te dis. Hein. C'est que. Personne, jamais un conseiller d'orientation m'a dit ouais. À la pub. Ah, conseiller d'orientation. C'est une possibilité. Oh, ça c'est nos ennemis. Nous, le podcast, c'est conseiller d'orientation. Personne m'a jamais rien dit. Et moi, je découvre un matin une agence de pub. Je dis, mais waouh! Et donc, je me passionne pour ce métier. Je commence à être curieux, à aller chercher, à lire,
à comprendre, mais c'est quoi le truc? Et puis, Séverine Guarin, qui était directrice de clientèle sur le compte Métal Ivoire, me dit un jour, Fabrice, on recrute un chef de pub junior. Ça, ça t'intéresse. Je vois que tu es choc. Je dis, mais Séverine, je signe tout de suite. Et encore une fois, c'est parce qu'elle t'a vu. Elle a vu ce que bien tu sûr, faisais comme commercial. Bien sûr, c'est la personnalité toujours. Ce que je dis, c'est toujours... En fait, c'est ça. C'est cette unicité qui, à chaque fois, bien sûr, ressort. C'est, bien pas sûr. Genre du, c'est pas genre du hasard. Absolument. C'est... Et donc, elle me dit ça. Et moi, je dis, OK, elle me dit, mais il faut que je pose la question à Chauvin. Tu sais qui est Chauvin? Le gars d'Akula? Bien sûr. Wow. Renaud, c'était mon patron. De Renaud Métal Chauvin, Ivoire. De Métal Ivoire, bien sûr. Ah, il était, directeur général de Métal Ivoire, Renaud Chauvin. Il était jeune, brillant, il était, c'est un mec magnifique, une énergie débordante. Il a commencé à être patron à 28 ans, je ne sais pas quoi. Renaud, c'était un tueur professionnel. Ok. Bien sûr. Et donc, elle me dit, mais c'est pour ça que, tu sais, il n'y a pas de génération spontanée. Les gens, ils me voient un jour, ouais, non, mais Fabrice, Akula contre bébé. Je dis, oui. C'est même pas d'Akula contre bébé. On est frères depuis combien d'années, Roger? C'est un grand frère. J'avoue, ça fait plus de 30 ans que vous connaissez, en fait. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Ah, c'est vrai que ça doit être marrant pour eux de voir les gens qui disent « Oh, bébé !» Bien sûr, mais c'est pour ça que je vois, on a fait une photo, on dit « Il n'y a pas un coup là contre bébé, c'est la famille. » C'est la famille, Renaud. Tu comprends donc? Elle me dit « Je vais aller poser la question quand même à ton directeur boss. Général, parce que je ne peux pas te débaucher comme ça. » Ah, parce que quand, sinon, on débauche le meilleur gars, ça fait des histoires. Hein. Et Renaud lui dit « Si jamais vous recrutez Fabrice, je coupe le budget publicité. » C'était 500 millions à l'époque. Ah, donc, Fabrice valait 500 millions. Sachez-le, Séverine, l'employé que vous voyez là. Séverine Guarin me voit et me dit, Fabrice, t'es gentil. Hein. Mais tu veux pas 500 millions, mon ami. Tu vas rester à Jean-Afrique. Non, mais attends, mais ça, c'est une validation incroyable. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que peu de gens, si vous demandiez à beaucoup de gens, et demandez à votre employeur combien il serait payé à payer pour vous garder, ils se rendraient compte qu'en fait, ils ne sont pas encore là. Voilà. Non, mais c'est pour ça que c'était intéressant par rapport à ton sujet, justement, sur tes collaborateurs. Et moi, Chauvin dit non. Et donc, c'est vous qui me dites, donc moi, je suis pas en pleurs, mais tu vois, je suis limite hyper découragé. Et toi, me dis, c'est pas grave, j'aurai d'autres opportunités et tout. Et puis, donc, moi, je continue chez Métal Ivoire de l'Afrique. Tranquillement, je vends, mais je me balade, je vais à Yopougon, je vais sur les chantiers. En fait, je vendais à trois types de clients. Je vendais aux quincailleries. Je connaissais tous les quincailliers, d'Adjamé à Yopougon, en passant par Coco du tout. Personnellement, tu peux. Voilà. Ensuite, j'allais sur tous les chantiers. Spontanément, c'est-à-dire que je passe, je vois un chantier, je m'arrête. Et tu dis, c'est comment votre peinture? C'est que votre peinture, on fait une offre et tout. Voilà, donc voilà. Et puis, troisième chose, j'allais voir les cabinets d'architectes, les grosses sociétés de construction, proposer aussi ma peinture. Donc, je baladais toute la journée, j'allais faire ça. Le soir, je faisais un rapport. Tout le jour, j'étais comme ça. C'était mon boulot. Mais j'ai une question qui va te paraître un peu bizarre. Mais quand tu en parles là, je sens que tu t'aimais ça. Ah, j'adorais. Et je pense qu'il y a peut-être une différence aussi là-dessus. C'est que tu as su prendre du plaisir dans ton boulot. Il y a beaucoup de gens. En fait, moi, j'ai toujours fait ce que j'aime, franchement. Si je n'aimais pas, je n'aurais pas fait. Et je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler de leur boulot comme toi, tu en parles. Bien sûr. Mais moi, je t'explique en fait. Parce en fait, même quand tu en parles maintenant. Mais non, mais je te jure. Que tu pourrais. Retourner. C'est-à-dire que si on te revoit, revendre les. En fait, ça me fait rire parce que je raconte toujours ça. J'ai des gens qui me disent oui, mais Fabrice, tu peux investir dans l'EVA. Tu sais, l'EVA, là, c'est 7 ans. Après ça. Non. Je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'aime pas. C'est pas parce que ça gagne de l'argent, c'est pas le but, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent, le but c'est d'être heureux, de faire les choses que tu aimes, de te lever le matin, d'avoir envie de faire des choses. Et ça, cette énergie là, quand tu l'as, il y a rien qui t'arrête. Quand tu aimes ce que tu fais, quand tu as envie de faire, c'est ça que j'ai envie de faire, tu Amen. Vois. Amen. Preach, vraiment, il faut c'est que les ça. Gens l'entendent. Et donc moi je j'ai jamais choisi. Moi j'ai adoré la com quand j'ai découvert, ben, j'ai fait mon agence de com. La télé, c'est un projet que je porte depuis que j'ai écrit depuis 15 ans, mais que je porte depuis toujours. J'adore la télé. Télé, ouais. Ouais, là, j'ai fait la télé, les magazines, c'est mon univers. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'aime la musique, j'aime la fête, j'aime danser. Je me suis dit, je vais faire un club qui va être unique. Entre-temps, j'ai jamais fumé, mais j'ai commencé à fumer le cigare à mes 35 ans à peu près. Ah, donc le Manjaro est arrivé. Donc, je me suis dit, je vais faire un club aussi de cigares. Enfin, donc, tu vois, je fais des choses que t'aimes, que j'aime, quoi, où je veux me poser moi-même. Où je prends plaisir, tu vois, où je profite, tu vois. J'ai pas envie de faire un truc. On dit, le mec, il a une plantation d'EVA, je sais pas, dans l'Ouest. Mais et puis attention, il y a des gens que ça peut passionner. Hein. Non, mais attention. Ouais. Je précise, je ne juge pas. Exactement. Et je pense que tu as le même trait que moi. Quand je parle de ce que t'aimes, voilà. Et les autres vont te dire, c'est-à-dire que et je le dis souvent, moi, j'ai des amis qui ont un profil vraiment... qui aiment la forêt et qui sont heureux là-dedans. Et qui sont heureux et qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont heureux. C'est que moi j'ai des amis, ils aiment tout ce qu'ils aiment, c'est aller au champ, au village. Ils vont au champ, ils mettent des potes, ils s'asseyent, ils mangent agouti brisé avec
Bungie. Ils sont heureux. Et puis ils sont calmes. Heureux. C'est ça la vie. Et quand ils me racontent ça là, moi, les yeux sont pétillants. C'est que je dis, mais mon gars, c'est d'où ta vie là. Ta vie donne. C'est ça. Et j'ai un oncle toujours. J'ai un oncle de mon épouse qui racontait un jour une histoire. Et puis il racontait comment ils ont mangé la goutti, ils ont bu la bière et tout. Puis il les a regardés, ils ont dit. On a vécu, hein. On connaît la vie. C'est le summum même du bonheur. C'est que le mec te regarde et il dit ouais. Oh, c'est ça qu'on veut. C'est ça. C'est ça. Et chacun doit ressentir ça en fait. À son niveau. À son niveau. Donc il y a un mec qui a un pied marin. Il y a un mec qui l'a pas. Il y a un mec qui aime le sport. Il y a un mec qui aime pas le sport. Il y a un mec qui aime le centre-ville. Il y a un mec qui aime pas le centre-ville, qui préfère plutôt la campagne. La campagne. La village. C'est comme ça. Chacun doit trouver. Ce qui lui correspond en fait. Et c'est pas juger quelqu'un de dire moi je fais pas ça ou que j'aime pas ça. C'est de dire moi c'est mon domaine de définition, le tien c'est un autre, c'est autre chose. Et on est complémentaires. Donc il faut être curieux dans tous les cas. Bien sûr. En fait, c'est ce que je pense que les gens, on n'a pas dit, mais en fait il faut être curieux. Tu peux pas juste être self-centré en mode moi je ne connais que bien ça. Bien sûr. Mais si tu n'essayes rien. Et moi je respecte. Moi j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi forcément sur des choses. Exactement. Mais je respecte le centre d'intérêt aussi. Après, chacun a son. Donc, tu sais, moi, c'est... Surtout qu'elle peut m'en parler comme toi. Tu parles de la peinture. Là, tu as parlé de peinture, ça m'a donné envie de... Tu vois, de, sûr, non, d'aller moi-même chercher les quincailleries. Et puis, je raconterai. Parce qu'en fait, tu sais, je vais te raconter une histoire. Je vais insister dessus. Parce que tu sais, souvent, on en rigole. Mm-hmm. Moi, qu'est-ce que ça m'a enseigné de travailler chez Metal Ivoirien en Afrique? Intéressant. La première chose, c'est que... Ça m'a permis... de travailler dans un environnement hostile. Ça veut dire que l'usine, là... Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas glamour. Les grèves, les gens, ils sont toujours nerveux, ils sont revendicateurs. Et puis, toi, tu es jeune. Tu sais qu'un jour, mais ça a failli dégénérer parce que tu es jeune, tu arrives chez le coordinateur des ventes. Tu as dit, j'ai 21 ans et demi. Le mec, il est assis là, mais c'est moi qui fais... Quand tu achètes la peinture. Ah, c'est toi qui fais le bon. Moi qui fais le bon, c'est moi qui planifie les livraisons. Mais tu as un mec qui est à l'usine depuis 20 ans, qui a 45 ans ou 50 ans, et c'est toi qui lui dis, va livrer. Va livrer. Il dit, mais toi, petit, quand tu peux être mon fils, pourquoi tu me parles? Forcément. Surtout ici. Donc, environnement surtout hostile, ici. Du fait de mon âge, du fait du type de métier que c'est. Ouais, non, et les gens disent, mais ce petit-là, il croit que quoi? Il connaît rien. Alors que tu lui as juste dit, va livrer, quoi. Tu as juste fait ton travail. C'est le boulot, ouais. Mais il dit, mais pourquoi il me dit ça, lui, un petit, comme ça. Et donc, première chose, premier enseignement, c'est ça. Donc, c'est dur, mais tu aimais. Mais écoute, environnement hostile. Et puis, le contact. C'est que tu dois parler à des gens que tu ne connais pas. Bien sûr, le commercial, c'est ça. Le commercial, c'est... Et puis, surtout, des gens qui ont des profils. C'est que j'allais faire tous les quincailleries des Libanais. Amoudé, mon ami, ça va bien, viens, dis-moi. Après, tu vas chez l'architecte. Oui, écoutez, bonjour monsieur, oui. Là, il faut rouler les airs, propre, rouler les airs et tout. Après, tu sors là, tu vas sur un chantier, tu gardes ta voiture, oh, quitte, on ne fait pas peinture, ça, c'est fausse peinture, quittez là-bas. Donc, en fait, chaque jour, c'est une aventure, tu comprends? Trop stylé. Chaque jour, quand tu sors, tu ne sais pas à quoi tu vas te livrer. Et donc, tu vas. Donc, deuxième leçon, c'est cette leçon de... Contact. De contact humain. La troisième chose, c'était Chauvin. Et les Libanais, l'enseignement du business. Ils t'ont montré ce que c'est que le business. Écoute-moi bien. Tu avais Astral, Saec et consorts, les grosses compagnies, la Seigneurie, qui étaient les leaders qualitatifs de la peinture. Et puis, tu as une société qui s'est créée qui s'appelle Jeanne Afrique, qui était plus petite, qui faisait une peinture un peu... Moins bien. Un peu plus moyen en termes de gamme. Un peu plus abordable. Un peu plus abordable. Et puis, ils ont compris que la distribution... C'était la clé du business. Là où Astral Saec, tu vas passer comment? Tu demandes 100 pots de peinture. Il faut attendre. Ils te font, non, ils te font une facture. 100 pots de peinture. Exemple, le pot de peinture est à 20 000 francs. Donc, tu dois payer 2 millions à jour J plus 30. Tu as 30 jours, ouais, par exemple. Pour régler la facture. Donc, ils livrent la peinture 30 jours au Libanais. Le Libanais doit payer 2 millions le 5 du mois prochain. Ouais. Chauvin vient, il dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va livrer les mêmes 100 pots de peinture là. Déjà, notre pot de peinture coûte moins cher. Donc, on va livrer ça à 15 000 euros de 20 000. Donc, au lieu d'avoir 2 millions de factures, 1,5 million. Il aura 1,5 million de factures. Et puis, Fabrice, toi, tu vas passer chez lui tous les jours prendre 50 000. What?
Pour collecter plus vite l'argent, pour que la trésorerie rentre plus vite. Non. Pourquoi d'abord les Libanais sentent moins la douleur de la facture de 2 millions en un coup qu'ils ne payent jamais? Ça devient une discussion après. Ah. Et puis lui, il a étalé le paiement. Et puis lui, il gère sa trésor en même temps parce qu'il est toujours cash. Un peu, tous les jours. 50 000. C'est beau. Donc, double avantage. Donc, en fait, ce que je t'explique. Là, c'est du vrai business. Il y a des leçons de business. C'est-à-dire, là où le leader du marché, il fait sa facture. Et puis vous allez vous battre dans 30 jours. Dans 30 jours, vous battez. Parce qu'il faut payer 2 millions. Ah, chef, j'ai pas 2 millions, pardon. Non, reviens là demain. Reviens la semaine prochaine ou bien il faut donner un chèque de 50% d'abord. Non. Chauveni, Fabrice, tu passes, tu prends 50 cailles tous les jours. Et moi, je passe. Donc, en fait, ce que les gens ne savaient pas, c'est que le commercial peinture, il récupérait de l'argent. Heureusement, parce que les gens n'auraient plus agressé. Non, j'aurais pu te faire choper. Ouais, oui. Et en fait, donc, j'avais une liste de clients chez lesquels je passais tous les jours. Je prenais 50 000. Et du coup, ça crée une relation aussi. Bien sûr. Oui, en plus. C'était juste tous en les jours. Et le gars, là, il ne sent même pas ce qu'il paye. Tu ne sens pas. Tous les jours, 50 000. Tu passes, ah, tu es venu. Ouais, t'es 50 000. Tu t'en vas. Tu notes, il signe. Vous notez. Waouh. Et donc, tu vois. Même nous, on pourrait faire ça. Pardon, excuse-moi. Non, mais là, ça, en fait, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'allais tirer de vrais enseignements qui m'ont servi pour la suite dans mon business. Tu comprends? Et donc. On a cette stratégie commerciale. Et donc, elle est juste énorme. Et donc, on bouffe tout le marché. Normal. Aujourd'hui, Astral Sahek est fermé. Ils ont vendu. Oh, waouh. La Seigneurie, ça tourne toujours. Mais c'est vraiment sur du très haut de gamme. Et puis, c'est... Mais c'est Drocolor, Jalafrique, c'est toutes ces peintures-là qui ont eu le marché après. Drocolor a suivi sur la même stratégie que Jalafrique après. T'es en fait, je suis en train de me dire, les gens se doivent se dire le gars de Akula, en fait, comment il a fait pour avoir de l'argent, mais en fait, oui. Mais Chauvin, c'est un génie. Non, mais quand tu dis, c'est un tueur. C'est un Chauvin, en fait, c'est un génie du business. Les gens ne le connaissent même pas. Oui. C'est-à-dire, quand tu. Enfin, va voir tout ce qu'il fait. Hein. Avec les vins de France, tout ça. Tu sais, tout ce qu'il fait, Chauvin, il est fort. Hein. Il est très, très fort. Ouais, donc nous, on voit la partie immergée de l'iceberg, mais là, tu nous racontes le. C'est pour ça, les gens, on voit le gars, il a Akula. Mais Akula, c'est une photo. Quand tu dis c'est la photo, c'est pas le film. Show me the movie now, rewind. Mais Fabrice, au moment où tout ça se passe, au même moment, tu te dis, c'est là que tu te rends compte des leçons que tu peux en tirer, ou alors c'est après coup. Non, après coup c'est pas au même moment parce que voilà, tu sais jamais. Tu dis, c'est après coup, c'est pour ça que tu dis. Alors moi, donc regarde, je fais ça. Au départ, t'exécutes. T'exécutes parce que tu dis bon, ok. Ouais. Moi, nous, on se plaint, on dit, mais tu vas prendre de l'argent comme ça tous les jours. Ouais. Tu passes chez 10 Libanais, tu prends 500 000, tu as ça dans ta voiture. Si on te vole, si on te braque, ça devient un problème. C'est pour toi, ouais. Tu comprends donc? Nous, on est un peu réticents, tout ça, mais bon, on le fait en douce, quoi. On ne montre pas trop qu'on a l'argent sur nous, tout ça, tu vois. Et tout, donc on le fait. Et donc, quand je finis ça, un jour, Séverine m'appelle et me dit, ah, mais j'ai un pote qui recrute une agence de pub. Je lui dis, c'est qui? Daniel Brecha. PDB, Pierre Daniel Brecha. Okay. Il y avait Panafcom à l'époque. Okay. Panafcom, Young and Rubicam, moi, il y en a. Et elle me dit, si tu es toujours intéressé à travailler dans la pub, tu vas... Et d'ailleurs, quand moi, je ne suis pas parti chez McCann, il faut que je te le dise, quand je suis parti chez McCann, j'ai proposé à Séverine de voir mon ami Paul Ledoux, dont je parle, qui m'a fait boire le vin d'abord. Oui, Et c'est lui qui est rentré chez McCann à ma place. Voilà, place nos gens. C'est important. Voilà. On place nos gens, ça, toujours. La fraternité. La parenthèse était... Non, la solidarité est là. La valeur est là depuis. Voilà. Tu vois, on place. Donc, moi, je vais rencontrer Pierre Daniel Brecha. Et puis, ça se passe très bien. Il me fait une offre. Et donc, je dis youpi, youpi, ya. Je démissionne de... Donc Renault n'a pas. Mais là, il pouvait pas. Il savait pas où j'allais. Il était pas chez lui. C'était pas son agence. C'est pas son agence. Donc c'était tranquille. Donc moi, j'ai démissionné. En plus, lui, il était directeur général du groupe Métal Ivoire. Ses bureaux étaient à Métal Ivoire. Ouais. Et moi, j'étais dans les bureaux Jalafrique. Jalafrique, c'est ça le fosse. Et donc, c'était Christophe Niodo qui était directeur commercial, le blanc qui m'avait recruté là. Plus directeur des ventes, c'était Vanier. Et donc, je m'en vais comme ça. Et donc, je commence chez Panafcom. Et chez Panafcom, j'arrive chez Panafcom. Enseignement encore. J'arrive chez Panafcom. Daniel Brecha, c'est un passionné de pub. C'est-à-dire que j'avais connu la pub chez McCann quand je suis allé là-bas en visite. Rapidement, ouais. Mais je tombe sur un fou. C'est-à-dire un féru. Un féru. C'est-à-dire que lui, c'est l'amour, c'est son amour de vie, c'est la pub. Au point de nous dire un jour, c'est-à-dire qu'un jour, on va faire un devis à un client pour faire un film. Style, on vend le devis au client à 20 millions. Le client dit non, il n'a que 15 millions. Alors que notre fournisseur extérieur qui doit produire le film
nous fait le film à 16 millions. Ah, oui. Prisha dit, c'est pas grave. On fait. On fait. On va peut-être aimer, on va lui montrer c'est quoi un beau film. Mmh. Tu vois, avec le cœur, comme il dit là, c'est ça. On va lui montrer c'est quoi un beau film. Mmh. Tu comprends, donc c'est vraiment. Là, il y a une passion. C'est que Brecha, moi, la passion, là, Brecha, c'est le patron de ma passion. Mmh. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a donné. Ah, mais Brecha, il était. Des fois, il te parlait de la pub, tu vois. Il te présente, il te filme, et puis lui-même, il se lève, il danse, il chante. Tu vois. C'est lui que j'ai regardé. Mmh. Ah, donc lui aussi a joué beaucoup. Ouais. Ah ben absolument. Mmh. Et donc, et tu vois, moi je cite les noms, c'est important. Hein. Mais parce que tu vois, les salariés qui veulent devenir entrepreneurs ne pensent pas à ça. Ils n'essayent pas de s'imprégner de l'entrepreneur avec qui ils bossent. En tout cas, pas consciemment. En fait, ouais, ce que nous on dit souvent, c'est que si tu es, t'es pas ponctuel, par exemple, quand t'es salarié, c'est pas quand tu vas être entrepreneur, tu vas dire tout d'un coup, je vais devenir heureux, etc. Absolument. Je vais travailler de nuit, etc. Ça n'existe pas. Non. Ouais. Donc, tu vois, donc, alors moi je vais chez Brecha et donc Brecha c'est la passion. Tu vois, c'est vraiment la première chose, c'est la passion de la pub, la passion du métier, la com. Il est créatif lui-même, tu sais. C'est un mélange de stratège et puis de création en même temps. Donc, c'est pas juste un créatif, tu vois, c'est pas juste un stratège aussi. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Donc, il nous apporte. Et chez Brecha, je commence à travailler sur des marques locales qui sont très intéressantes. Comme je commence à travailler sur le savon Fanico. Mmh. On avait fait un très beau film à l'époque. Fanico et de l'eau, ça mousse fort et c'est beau. Mmh. Fanico mousse plus dans toutes les maisons. Le linge est propre et sent bon. C'est le plaisir, Fanico. Fabrice, c'était à combien d'années ça? Chez Brecha, je suis parti de chez... T'es impressionné par la mémoire. Chez Brecha en 97. Et donc, ça dit que ça devait être en 95. Le spot t'a marqué. Non, en fait, c'est juste, je veux juste que les gens se disent, c'est à ça que ça ressemble la passion. Si dans 20 ans, vous êtes capable de reciter votre slogan du pub que vous avez fait, vous êtes sur le bon truc. Si vous vous dites, dans 20 ans, je ne me souviendrai pas de cette merde que j'ai fait. Non, c'était une très belle époque, ça. Putain, et donc, tu vois, donc, je travaille sur des produits comme ça. On travaille sur des produits comme ça, Fanico, l'huile palme d'or, c'est nous qui on lance l'huile, enfin, le logo de l'huile palme d'or. Tu sais, vraiment, c'est. Donc là, je rentre dans une. Tu sais, chez l'Afrique, vous allez voir, j'avais appris, tu sais, le volet commercial, La vente. La vente et tout. Et là, je rentre dans la réflexion maintenant, tu vois, et puis dans le positionnement des marques locales, de comment tu crées le truc, comment tu mets de la passion pour être créatif, pour être ainsi de suite. Donc, tu vois, il y a vraiment un vrai sujet. Et puis, Brecha. Comment on se fâche? Brecha, un jour, le comptable qui est mon pote me dit, mais Fabrice, tu sais que le petit stagiaire français qui est là, il gagne plus que toi? Ça, c'est les problèmes! C'est du sale! Puisqu'on le comptable est gonflé, on a tous les blagues. On mange ensemble à midi. On se voit sur le maquille, on mange. Vous m'avez déjà checké au calme. Il me dit, mais toi, ton petit blanc, là, tu sais que je gagne 450 000. En tant que chef de pub. Et le petit blanc, stagiaire. Qui est stagiaire chez moi, dans mon équipe. Ton stagiaire? C'est mon stagiaire. Et... il est venu de France, moi, c'est mon stagiaire. Et puis, il gagne 550 000. Donc, le comptable me dit, toi, tu sais que toi... Tu sais que le pays, là. Et puis, il te met ça comme ça, schlac. Cadeau. Il t'a rien dit, quoi. Tu sais que ton gars, là, il gagne plus que toi. Ton petit stagiaire, là. Tu fais le malin, ton petit stagiaire, là. Je lui dis, ah bon, comment ça? Non. Et donc, il me dit, non, regarde, je lui dis, comment ça? Il me dit, ouais. Donc, je reviens du maquis, là. Fâché. Tu es remonté, toi. Remonté, je vais, toc. Monsieur Brecha, je peux vous parler, s'il vous plaît? Oui. Je dis, ah, monsieur Brecha, vraiment, on a un petit problème quand même. Il dit, quoi? Je dis, mais monsieur Brecha, moi, je gère aujourd'hui quand même quelques budgets ici. Ça vaut, je ne sais plus combien ça valait à l'époque. Hein. Quand tu connais tous les clients que je gérais, ça peut-être 600 700 millions. Je lui dis, j'ai quand même à peu près 600 700 millions de budget annuel chez vous. Je gagne 450 000. Non. Alors que le stagiaire qui est dans mon équipe gagne 750 000, il gagne plus que moi. Oh. Il dit, mais comment ça? C'est pas possible. Qui t'a dit ça? Comment c'est possible? Et tout et tout. Donc il dit, je m'en occupe, Fabrice, t'inquiète pas. Et puis le lendemain, il vient à mon bureau. Ah, Fabrice, au fait, j'ai réglé le problème. Hein. J'ai réduit la prime du stagiaire. Il me dit, pas de faire de pour le stagiaire. Il me dit, pas ça. Tu t'attendais à ça, toi? Jamais. Attends, pas le faire du pour le stagiaire. Il me dit, je t'ai augmenté. Il me dit, non, j'ai baissé le salaire du stagiaire. Quoi? Il a réglé le problème. Je lui dis, mais Daniel, c'est pas le deal. Moi, j'ai aucun problème pour le salaire du stagiaire. Vraiment. Je ne voulais pas tuer son business. Vraiment, il est très bien à 550.
Moi, je voulais arriver à 550. Le seul sujet, c'est que moi, je suis en dessous. Et c'est là où j'ai compris que bon. Tu m'as jamais monté. Quand même, c'est là où vraiment ça m'a touché parce que on était en connexion forte, lui et moi. Et je trouvais que c'était un gars brillant, qui avait cette passion et tout. Et il me communiquait beaucoup de choses. Et je me suis dit, quand même, c'est comme une trahison, quoi. Tu vois, tu peux pas me trahir comme ça. Ah, tu l'as pas vécu, quoi. Ouais, je l'ai pas vécu comme. Enfin, ça m'a cassé. Ça a cassé un truc en premier. Ça a cassé un truc en moi. Et donc, je me suis dit, si j'ai une autre opportunité, je m'en vais. C'est là où j'ai décidé de partir, en fait. Parce que c'est sa réponse encore plus qui m'a choqué. Non, parce que lui, il était confiant. C'est que c'est comme si tu ne les vaux pas, toi. Lui, je le baisse, mais toi, tu ne les vaux pas. En fait, il a cru que tu venais dénoncer le. Moi, je dénonce personne. Moi, je suis heureux pour. En fait, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Ouais, mais c'est moi, ça, je suis toujours heureux pour les autres. Non, mais en tant qu'entrepreneur, c'est difficile. Je peux concevoir que lui, pour lui, ce soit genre, il a réglé le problème. Oui, mais je pense que Fabrice, avec le recul, il comprend quelle est la logique qu'il a eue, que le gars a eue à l'époque. Ouais. Mais sur le coup. Mais je pense que ça joue en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tant qu'entrepreneur, du coup, toi, tu fais attention à ça, au salaire? Ah, absolument. Je fais attention au salaire. Après, à ce que je peux payer, à ce que je ne peux pas payer. Ouais. Quand je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. Après, si tu as une opportunité, tu t'en vas. Oui, non, mais c'est intéressant. Les gens, ils partent, ils viennent, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai entendu des fois des critiques sur toi aussi qui reviennent dans tes groupes en se disant, les gens disaient souvent qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si c'est lié au salaire ou pas, mais les gens ont tendance à cristalliser en disant. Alors, c'est un peu comme l'histoire de gens de l'extérieur ou pas. Les gens retiennent en disant. Il y a plein de gens métis, par exemple, chez non, en fait, c'est pas lié à ça. C'est pas si c'est des gens de l'extérieur ou pas, ainsi de suite. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un métier particulier, la pub. Ouais. C'est un métier qu'on n'enseigne pas dans nos universités, à la base. À la base. C'est-à-dire que nous, quand t'es étudiant, il n'y avait pas de coup. Non, il n'y a rien. Comme tu as dit, toi, tu n'as pas fait ça. Tous ceux qui faisaient ça, c'était ou des blancs, ou des métis, un peu. Bien sûr. Ou des noirs qui ont vécu un peu en France. Et qui reviennent. Qui reviennent. Qui ont l'expérience. Donc, oui, à l'époque. Il y avait effectivement une tendance naturelle à avoir des gens plutôt de l'extérieur. Mais ça s'est corrigé rapidement parce qu'après, toutes les écoles ont commencé à faire ça ici. Mmh. Publicité, beaucoup de BTS, beaucoup de ainsi de suite. Donc, après, c'est devenu un métier. Écoutez, moi, quand je faisais la pub, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Oui, il faut que les gens se rappellent. En fait, souvent, moi, je vois vous, les jeunes, vos petits iPads, vos trucs, vous êtes bien. Vous êtes calés. Nous, tu écrivais. Quand on faisait les maquettes avec Brécha, vous écrivez. Il y avait Madame Achalm, Christiane Achalm. Mmh. Elle faisait des maquettes, elle montait des maquettes à la main. Comment ça, les maquettes à la main? Avec du papier. Genre, vous colliez les trucs. On collait des trucs, elle dessinait des trucs, on collait. C'est comme ça ce qu'on faisait. Elle faisait des petites collages. Vous étiez des artistes en plus. Genre, vous étiez. Mais il y avait un métier qui s'appelait maquettiste d'ailleurs. Ah, qui a disparu. Qui a disparu de l'agence. D'ailleurs, petite transition. Les gens demandent ce que tu penses de. Est-ce que l'intelligence artificielle va changer le monde de la com? Ah, mais ça est en train de changer déjà. Est-ce que toi, du coup, tu commences à tes équipes à leur dire, mais. Utiliser ChatGPT. C'est pas moi, hein. C'est eux-mêmes qui m'ont montré comment ils utilisent. Ah! Un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, boss. Faut venir voir ça. Viens voir ça. Ils ont tac, 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 tac. Vroup, je dis, hé! Moi, je dis, mais les gars, vous êtes forts. Ils disent, ah, bon, c'est notre époque. C'est ça. Donc, faut pas penser que c'est moi qui suis le. Non, chez moi, j'ai des gens hyper compétents, hyper jeunes, hyper dynamiques qui font le métier tous les jours. Et qui te montrent les choses. Non, bien sûr. Moi, des fois, je viens, je dis, les gars, comment vous avez fait ça? Ils me disent, voilà comment on a fait. Chacun a son époque. Super intéressant. Non, parce que les gens présument que c'est toi qui es toujours le visionnaire tête de tout. Moi, je suis là pour la direction. Ouais. Ça dit que moi, je sais où je veux emmener mon groupe. Mais justement, en parlant de groupe, en parlant de. Parce que, avec toutes ces activités, parce que nous, on a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on peut diversifier. Ouais. À quel moment diversifier? Comment est-ce qu'on fait? Bon, je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour que tu nous expliques. Mais on va autant de. Enfin, je sais pas, hôtels, restaurants. D'activités. Télé, communication, etc. Quel est le. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, en fait? En fait, il y a un lien. Toujours. En fait, c'est ça le truc. C'est que moi, j'aurais pu créer une société pour faire construire des routes et puis aller prendre des marchés, négocier. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon métier, je ne sais pas le faire. Moi, je vais créer le premier groupe de communication et de divertissement d'Afrique noire francophone. Communication ça, et divertissement. D'accord, ok. J'ai deux piliers. Donc, ma cohérence, elle est là. Donc, tout ce que je fais, c'est dans la com et le divertissement. Donc naturellement, une fois qu'on a dit ça, j'ai trois groupes en fait dans la chose. J'ai le groupe Vodou, j'ai le groupe Live TV, et puis j'ai le groupe, on va dire BBR, mais bon, il y a plein de choses à côté, Manjaro, tout plein de choses. Et puis un peu d'immobilier à côté, ainsi de suite, tu vois. Donc, fondamentalement, quand j'ai commencé à faire l'agence de pub, on était 5 au départ, on était venu 11 rapidement. Donc vous avez commencé à 5, Vaudou. 5, les 5 premiers employés. Vous étiez 5 associés, 5 employés. Non, pas 5 associés. D'accord. On était 2 associés, 3 associés
Et puis il y avait un, il y avait que moi comme associé qui travaillait. Ok. Les deux associés n'étaient pas forcément ceux qui travaillaient. Non. Ok, très bien. C'est moi qui portais le projet. D'accord. J'avais deux associés, donc c'était mes cousins en réalité qui m'ont aidé et qui m'ont financé. Ah, ok, c'est important. C'est une belle histoire ça aussi. On en reparlera. La famille. C'est la famille qui t'a financé. Bien sûr. Parce que les gens savent pas. C'est mon cousin qui m'a financé. Il s'appelle Arnaud Dété. C'est moi, je le dis tout le temps. Moi, non, tu donnes les noms, ça que j'aime avec toi. Tu vends aux gens. Parce que c'est. Je sais pas, c'est concernant nos contemporains. C'est bien de citer les choses, de reconnaître à chacun ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté dans ta vie. C'est important de dire aux gens, de leur rendre hommage. Même si tu as apporté un peu de motivation, de dire leur nom. C'est important qu'on le sache. Non, c'est une forme de. Et c'est important de montrer que tu n'es pas Superman, que tu n'es pas. Oui, parce que les gens pensent. Tu n'es pas Robocop. Je t'assure que oui, toi, des fois, on a l'impression que genre, les gens se disent genre, Fabrice, il a tout fait tout seul. Non, moi, j'ai commencé. Enfin, je reviendrai sur mon parcours tout à l'heure, là, parce qu'on a été coupé dessus. C'est sa question. Parce que fondamentalement, j'ai fait tout ça, et puis après, je me suis dit, je vais faire mon business, j'ai monté un business plan, et puis je cherchais des actionnaires. Puis un jour, j'ai vu mon cousin par hasard, j'ai dit, je suis en chercher des gens, mettre un peu d'argent dans ça, voilà ce que je fais. Il m'a dit, attends, je regarde. Ah, c'est bien ce que tu fais, je mets de l'argent dedans. Et lui, il avait de l'argent de son boulot. Bien sûr, ouais, il avait de l'argent. Donc, il avait un peu d'argent dedans. C'est tout. Donc, enfin, je reviendrai dessus. En fait, donc, quand on monte l'agence de pub, assez rapidement, je t'ai dit, on a eu des difficultés, coup d'État, consort. Donc, on s'est dit, il faut qu'on développe notre business. Donc, il y a deux façons de le développer. On peut le développer de façon horizontale et de façon verticale. Le développement horizontal, c'est qu'on sort de la Côte d'Ivoire pour aller vers d'autres horizons. On va dans d'autres pays pour essayer de chercher des marchés et tout. Développement vertical, c'est qu'on crée de nouveaux métiers qui sont toujours liés à celui qu'on fait. C'est comme ça qu'on commence à créer les magazines, c'est comme ça qu'on commence à faire du marketing politique. C'est comme ça qu'on commence à créer des verticales à ce que vous offrez. C'est comme ça qu'on commence à faire de l'événementiel, ainsi de suite. Donc en fait, on crée des activités qui sont cohérentes par rapport à tout ça. Excuse-moi de te couper, Fabrice, mais juste à ce moment-là, quand tu crées des activités, toi, tu as la vision. Mais comment tu peux t'assurer que la qualité, parce qu'à un moment donné, tu vois, il en va de de la réputation, etc. Donc, tu mets marketing, tu mets magazine, tu mets TV. Événementiel. Je comprends la cohérence, mais je parle de la difficulté de faire en sorte que l'exécution reste. Parce qu'on est bien d'accord que l'idée, c'est une chose, mais l'exécution, comment tu fais pour que l'exécution de l'ensemble puisse... Rester à ton niveau d'exigence. Voilà. En fait, il y a trois choses qui sont essentielles. La première, c'est vraiment de trouver des personnes compétentes et puis surtout de confiance. C'est-à-dire que tu fais pas le projet si tu n'as pas la personne ou... Mais oui, ouais, par exemple, je vais vous donner l'exemple du Manjaro. Tu parlais du Manjaro. Moi, quand j'ai vu mon ami Clyde Fakouri, qui est le propriétaire de ITC, qui m'a dit Fabrice, écoute, on a un super espace. Et je lui ai dit, écoute, ça peut m'intéresser. Je suis allé voir. Je me suis dit, là, c'est bien pour faire un club à cigares. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Leslie. J'ai dit à Leslie, écoute, je veux faire un projet. Il y a un club à cigares qui va être magnifique. Mais naturellement, je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas la capacité, j'ai ni le temps, ni la compétence même pour le gérer. C'est un métier à part entière. Et toi, je sais que tu es une spécialiste. Les événements, et puis tu es issu d'une famille de restaurateurs, donc depuis toute petite, tu sais gérer ces choses-là. Est-ce que ça t'intéresse de le piloter? Elle me dit, allons, tu me montres. Je lui montre, elle me dit, ça me plaît. Je lui dis, mais si tu le fais, tu fais rien de ta côté. Tu fais que ça. Caï! Tu entends ça? Parce que tu me fais pas faire un investissement, et puis après, tu n'es pas là. Tu me dis non. Elle me dit, non, Fabrice, t'inquiète. Toi et moi, c'est la confiance. Je lui dis, let's go. Donc, je fais l'investissement, et je lui donne des clés. Tu vois, donc le critère dont je te parle, c'est le critère de compétence et de confiance. Et c'était pareil pour magazine, pour c'est important, donc tu es obligé d'avoir des personnes compétentes et qui sont à fond, qui sont à fond avec toi, en qui tu as confiance. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est la responsabilité du leader, d'avoir une vision, un plan clair. Tu vois, un plan très clair. Il faut savoir où tu veux aller. Il faut que tu tresses le chemin et que tu fasses partager ce chemin-là aux gens les plus proches de toi. Notamment à tes directeurs, à tes responsables. Ouais. Qui gardent ça en tête. Ouais. Tu comprends donc que c'est ta capacité, effectivement, à toi-même, à les embarquer
Je sais pas si tu vois, c'est tu dois créer le momentum quoi en fait. Mais c'est pas forcément sur tes équipes en dessous, non. C'est sûr tes plus proches collaborateurs pour qu'eux aussi soient porteurs de projets. En fait, dans une entreprise, tu peux avoir plusieurs milliers d'entrepreneurs. D'accord. D'accord. Tu vois, ça peut pas être que toi. Ça peut être que toi l'entrepreneur qui porte tout et qui fait tout. Ah, mais il faut que tu aies la capacité quand même d'amener les gens à faire ce qu'il faut. Bien sûr. Donc, au-delà de leurs compétences et de leur fiabilité, de la confiance, tu dois être capable de les embarquer dans un projet, dans ta vision, et qu'ils deviennent eux-mêmes porteurs du truc. Et comment tu fais ça? Est-ce que tu as une méthodologie bien précise? Je ne sais pas, comme tu as fait là avec Leslie, tu lui dis les choses très directes, très claires. Ou, est-ce qu'il y a... T'as un process particulier pour embarquer les gens et t'assurer qu'ils ont compris la mission que tu veux leur... Écoute, moi, tu sais, dans mon comité de direction, par exemple chez Vodou, la moyenne de présence est autour des 17 ans. Mon comité de direction. Ah, ils sont là pendant longtemps. Voilà. Et en général, hein, tu vas chez moi à la maison, notre nounou est là depuis 22 ans, 23 ans. Mes gardiens sont là depuis 20 ans, mes chauffeurs ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, enfin. Ah, il y a quand même une durée à avoir. Ah, j'en viens. La durée, elle vient de quoi? Elle vient de la qualité de l'homme que tu es. Elle vient de ta capacité à t'attacher aux autres, à ce que les autres t'attachent à toi. Ouais, il faut que tu crées un lien quand même, puisque tu restes 20 ans avec quelqu'un. Donc, il y a un lien. Il y a un lien important, humain, qui est important. Et moi, j'ai un lien avec l'ensemble de mes collaborateurs. C'est super important. Ceux qui portent, ceux qui sont chargés de porter. Même plus bas. T'essayes en tout cas. Mes bureaux sont ouverts. C'est-à-dire que chez moi, tu vas à Live TV, je suis le président de la chaîne. La gardienne peut monter me voir, me parler quand elle veut. Il n'y a pas de blocage. Tu vas chez Vodou, l'assistante, la troisième assistante qui est derrière un bureau que je ne vois même pas pendant une semaine, elle peut monter, taper mon bureau, oui. Bonjour, je veux te dire ça, mais je veux telle idée. Et donc, une fois qu'il y a ça, eh ben, tu valorises les gens. Mais ça ne veut pas dire que je suis un niais gentil. Qui dit oui à tout le monde. Ah non, hein. Bien sûr. Bah, quand ils viennent. Bien préparé, quand tu viens. Bien sûr. Ils savent quand ils viennent. Moi, je suis le type de manager à te mettre en salle de réunion quand tu as bien fait, qu'on t'applaudisse. Mais quand tu as mal fait aussi. Je te mets en salle de réunion, c'est pour dire que tu as mal fait. Hey. Voilà. Ça, c'est mon pouvoir. Moi, j'ai toujours accueilli. Les humiliations publiques, les approbations publiques. Non, les c'est même pas une humiliation. C'est que le mot humiliation négatif. Parce que regarde, un mec qui met en danger les salaires de l'ensemble de la boîte. Oui, il faut que ça. Et puis, il fait les kékés. Non, comme tu aimes te faire applaudir, il faut qu'on sache ce que tu as fait aussi. C'est pas, on va pas t'insulter, on va rien te dire, mais bon. Voilà l'erreur que tu as commise et c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Oui, parce que le poids du public donne beaucoup, beaucoup dans tous les sens. Ça ne peut pas être juste dans les compliments. Alors que c'est nécessaire pour que les gens s'auto-régulent aussi, même entre eux. En fait, les gens adorent les compliments, le positif. Mais ils aiment, quand c'est négatif, il faut qu'on se fasse entre nous deux. On se cache, il faut qu'on se parle entre nous deux. Non, ça c'est horrible ça. J'étais ça. Mais quand c'est positif là, bon, il faut que ce soit devant tout le monde. Devant tout le monde. Non, tout c'est pour ça. Et donc, tu vois, donc, moi, je pense vraiment que la première chose, donc, c'est la compétence et la confiance. La deuxième, pour moi, qui est censée être ta capacité à embarquer tout le monde dans ton projet avec toi et à faire de même des mini-entrepreneurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, chez Vodou, il y a des gens qui sont plus préoccupés par Vodou que moi-même. J'ai le directeur, là. Ils sont même plus tranchants que moi-même. Sur les coups, parce qu'ils veulent sauver la boîte. Ils veulent que ça marche. Tu vois, donc, c'est cette capacité que tu dois avoir, justement, à transformer tes propres collaborateurs, tu vois. Parce qu'ils se sentent honneur, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, non, ça, c'est clair. C'est clair. Tu vois. Et puis après, vraiment, tu as ce que je dis, la qualité relationnelle, la qualité humaine. Pour moi, c'est important. C'est dur, ça. Ouais. La qualité humaine, la qualité de la relation. Et moi, je suis très fier. Hein. Moi, j'ai beaucoup de collaborateurs qui sont avec moi depuis de nombreuses années. Tu prends mon assistante Marie-Claire. Marie-Claire, ça fait 24 ans qu'elle est avec moi. J'ai monté Vodou en juin 99. Wow. Elle a commencé elle était standardiste. Je lui dis, c'est mon assistante, c'est elle qui s'occupe de tout, qui gère tout pour moi. Tu vois, donc c'est ça. Du coup, quand des gens partent, ça te fait mal, ça te fait. Non, parce que vous êtes nombreux. Enfin, en fait, non, en fait. En fait, dans toute l'Afrique. En fait, moi, partir, c'est normal. Beaucoup de gens partent
En fait, mais c'est comment tu pars, en fait. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas très honnêtes et qui ne sont pas très... Je n'ai pas de reconnaissance, mais qui n'ont aucune gratitude. Ah, qui le font de manière qui te met dans le mal, je veux dire, peut-être. Voilà. Qui n'ont pas de considération pour ce que je donne un exemple. Tu prends un jeune, il est au quartier, il pleure sur les réseaux sociaux, il t'envoie des messages, il t'envoie son CV et tout, tu finis par le prendre comme stagiaire. Le mec, il commence stagiaire, il travaille. Il prouve qu'il a du talent. Donc tu le pousses. Le mec, un matin, il prend chef de pub junior, chef de pub senior, directeur de clientèle. Un matin, le petit, il gagne 1,5 million, 1,8 million. Il y a 5 ans, 6 ans, il était au quartier. Et puis un matin, il vient te voir, parce que ton concurrent lui a proposé 200 000 francs en plus. Il va chez ton concurrent et il va se battre sur le budget qu'il gérait chez toi. Ah oui, là il y a un problème de loyauté. Parce qu'au final, oui, c'est la valeur que la personne donne aux années passées et l'opportunité versus les 200 000. Tu as tout compris. Et les gens ne le voient pas souvent, ça. J'avoue, les gens vont juste être égoïstes et court-termistes. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça qui fait que moi, ce genre de départ-là, c'est ça qui m'attriste toujours, quoi. Parce que voilà. Ça, c'est une des choses qui, dans l'entrepreneuriat, qui peut vraiment te. Parce que tu sais, on parlait beaucoup des choses qui ne t'atteignent pas finalement quand on voulait t'attaquer. Ça m'atteint. Mais ça c'est quelque chose qui... Ça, c'est mon univers immédiat, bien sûr. Parce que c'est une valeur à toi qui est directement touchée. Bien sûr. Touché. Attaqué. Moi, tu prends... Regarde, cette année, par exemple, il y a Brenda Kofi, Kouyaté, qui était la directrice de l'agence Vodo Abidjan, qui a démissionné pour suivre sa propre passion. Elle a monté une agence de tourisme. Brenda a travaillé chez moi pendant 16-17 ans. Elle est rentrée vraiment, effectivement, comme ça. Premier poste stagiaire aussi, tout ça. Brenda, depuis, on va dire, 5-6 ans, m'avait prévenu qu'elle avait une passion pour le tourisme. Oui, elle te le disait. Tu vois. Et même, elle m'a dit, attention, j'ai envie de monter une boîte pour le tourisme on the side. Et elle m'en parlait de ses problèmes qu'on discutait. Et je lui disais, oui, c'est bien, je donnais des conseils, mais tout. Quand elle était prête, elle m'a dit, Fabrice, maintenant je suis prête. Est-ce que je peux partir? J'ai dit, oui, tu peux. On ne veut même pas arrêter. Oui, donc le process a été fait différemment. Tu n'as rien sûr. Contre le fait que les gens fassent d'autres choses. Bien sûr. Ou qu'ils aillent ailleurs. C'est la transparence, c'est la honnêteté. C'est tout. Sinon, on est tous appelés à partir. Moi, je suis parti des deux boîtes aussi. Bien sûr, oui. Mais donc, il faut juste. En fait, il faut juste soigner son départ. Et puis, le monde est petit. On se retrouve toujours un peu. Ah bah, comme tu as dit là, tout ce que tu viens de nous dire, oui, c'est pire qu'un peu. Oui. Tu comprends. Donc, Brenda, par exemple, qui est partie, on lui a fait une belle fête avant son départ. Et tout. Donc, on a beaucoup de collaborateurs qui partent comme ça. Dans de très bonnes conditions, parce qu'ils ont un projet ou parce qu'ils ont une meilleure offre. Exemple, moi, si tu me dis, tu pars de chez moi, j'ai poussé une collaboratrice à aller prendre un poste de direction chez un annonceur. Elle était chez moi, elle était directrice chez moi. Il y a une opportunité chez un annonceur, un poste de direction. Je lui ai dit, va là-bas. C'est bien. Moi, je suis ta maison. Anytime, tu as un problème, tu veux revenir, tu reviens. Mais ça, c'est une belle opportunité pour toi. Elle était compétente. Hein. C'est pas comme si je l'ai poussée à la porte. Hein. Ouais. Mais je voulais qu'elle soit. Qu'elle ait quand même elle-même son truc. Son truc. Tu vois, donc, j'ai aucun problème à ouvrir ça. Mais ce que les gens racontent jamais, c'est leur côté noir, en fait. Les gens, ils montent toujours, oui, je suis parti, il est fâché, mais je suis parti. Mais jamais personne ne va te dire... Comment il est parti. Et c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce gars a fait pour toi dans ta vie? À un moment donné où tu n'avais rien, où tu n'avais aucun travail. Ouais. Donc, tu pars, oui, mais elle a reconnaissance, on lui dit, bon, okay. Là, j'ai une collaboratrice qui devait partir. Qui a démissionné l'année dernière, elle m'a dit, écoute, vraiment, je vais me chercher, je vais partir. Je lui ai dit, elle avait fait ses 3 mois de préavis normalement et tout. Je lui ai dit, je suis d'accord que tu partes, mais je veux que tu restes 6 mois. Étends un peu ton préavis. Ouais. Étends un peu, parce que je suis un sujet très délicat pour nous. On n'a pas encore la bonne personne. Laisse-moi le temps de bien me formater. Elle m'a dit non, qu'elle ne peut pas. Je l'ai fait convoquer à mon bureau. Je lui ai dit, que tu te souviens de comment tu es rentré chez moi? Elle dit, oui, c'est papa qui a envoyé ton CV chez moi. Je lui ai dit, donc tu sais que je t'ai prise en stage à l'époque. Pas parce que tu étais le plus brillant des parcours sur ta demande. Parce que ton père, que je connais, qui est avocat, m'a appelé, qui m'a dit, c'est ma fille, tu peux la prendre en stage. C'est comme ça que je t'ai prise en stage. Et petit à petit, on t'a intégré. Et puis finalement, tu as eu un emploi. Tu as bossé chez nous pendant 9-10 ans. Donc... Le moment est venu pour toi de me rendre la monnaie de la pièce. C'est la pièce que j'ai donnée au début là. Que j'ai donnée au début là, il y a 9 ans là. Il y a monnaie, petite la monnaie, là, petite c'est monnaie. C'est aujourd'hui. Donc tout ce que je te demande, c'est de rester 3 mois de plus. Je te demande, je veux pas t'arrêter parce que c'est ta vie, tu as raison. Tu vois, donc, elle m'a dit non, moi je peux pas. Je vais appeler ton papa.
On va revenir à ça. Parce qu'on va faire une réunion où j'ai appelé ton papa, j'ai dit bon, voilà, tu m'as demandé un service. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Bon, je demande un service maintenant. Je te demande aussi un service maintenant, c'est ta fille. Elle m'a dit non, mais on peut trouver un go-between. Bon, et si j'ai fait 2 mois en plus ? J'ai pris 2 mois en plus. Elle a fait ses 5 mois. Elle est bien partie. Elle a fait une fête. Elle est partie. Tu fais la petite fête. La petite fête, c'est important. C'est important. C'est important. Les gens qui sont bien, qui ont bossé, qui sont corrects, il faut toujours leur faire une petite fête. Tu vois. Et donc, ce n'est pas la volonté de bloquer quelqu'un. Mais juste que des fois, ils intègrent aussi. Ben, je pense que le gros problème, c'est qu'ils ne se mettent jamais à ta place. C'est ça. En fait, est-ce que, genre, j'ai l'impression que ça, c'est peut-être, est-ce que ça partie du risque, enfin, des dangers d'être entrepreneur, c'est que. Surtout toi qui, en plus d'être entrepreneur, tu es sur de multiples sociétés, les gens ont l'impression que rien n'est important pour toi dans la boîte au jour le jour. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte des fois. Ah, de... mais moi, je vois tout surtout. Mais ça, c'est le ça. Mythe du patron de groupe. Ouais, le patron de groupe. Dit que, en fait, il n'est plus dans les détails, etc. Ils sont fous de mon petit poste là. De son parcours montre que justement, ton parcours est fait de détails. Bien sûr. C'est tous ces détails qui ont fait que tes anciens parcours. Moi, je suis un ensemble de détails. De toute façon, moi, toute ma vie s'est construite sur des détails. Donc, naturellement, je regarde tout. Quand j'arrive au bureau, en général, je passe tous les bureaux, je dis bonjour, ainsi de suite. Parce que fondamentalement, j'aime avoir un contact visuel avec les gens, j'aime parler aux gens, j'aime comprendre quand un gars n'est pas bien. Quand je le vois, je lui dis ça va, tu vas bien. C'est tout. J'aime ce contact là, tu vois, qui est super important. Mais puisqu'on parle d'humain, moi, je voudrais qu'on. On finisse un peu là-dessus parce que on parlait, un des sujets qui revient souvent, c'est le recrutement, que ce soit les petites entreprises, les plus grandes, etc. Et justement, on en rigolait avec Corinne avant que tu n'arrives. Et c'est marrant parce que elle nous a expliqué comment elle a rejoint l'aventure. Et je pense que j'avais déjà entendu ce genre d'histoire, c'est-à-dire que tu arrives, je ne sais pas si c'est l'expérience. Ou tout ce que tu nous as dit, mais tu arrives avec des discussions parfois à dire tiens, cette personne, je veux en savoir plus. Bien sûr. Après, bien sûr, je pense qu'il y a un process après normal bien qui sûr, se passe, mais sûr. Du fait que tu, avec tous les gens que tu rencontres au quotidien, tu te dis que ça peut être au Manjaro comme à BBR, tu bien peux sûr. Tomber sur quelqu'un d'important et donc au final, on en vient toujours au sujet, c'est la personne. Quoi. Comment tu sélectionnes les gens? Comment tu moi, en fait, moi en fait, si tu veux, si tu me dis c'est quoi mon plus gros talent, hormis le travail hein, qui est vraiment quelque chose, l'exigence, parce que moi je suis vraiment un travailleur exigeant, c'est vraiment mon nez. C'est-à-dire que je me fie beaucoup. Ça peut me planter des fois. Hein. Ouais, bien sûr, mais tu te fies. Je me fie beaucoup à ce que tu sens. À ce que je sens. T'as toujours été comme ça ou t'as eu un déclic où tu t'es dit vaut mieux. Non, je pense que c'est les années, c'est l'expérience. D'accord. En fait, très rapidement, quand quelqu'un s'assoit, en fonction de sa posture, je définis son profil psychologique. Je peux me tromper. Bien sûr. Mais tu vois, en gros, quand il commence à parler, quand il commence à. Comment il s'habille, comment. Enfin, j'ai un ensemble de codes. Ce sont les premières impressions qui te suffisent. You only got one chance to make the first impression. On va faire un épisode spécial là-dessus. Ouais, first impression. On en a vraiment parlé depuis, ouais. Et c'est quoi? C'est pour ça que c'est important. Et donc, moi, je regarde des choses comme ça. Et puis après, dès que j'ai vu ça, j'engage une discussion pour en voir fonction. Des éléments de cohérence. Ouais, pour voir si ça colle ou pas. C'est tout. Et quand je vois, tu sais, moi, très rarement, j'ai un poste et je cherche quelqu'un. Très rarement. Ah bon? C'est oui. Intéressant ça. Moi en général, je rencontre quelqu'un et je lui trouve un poste. Ah. Et ça t'a plus réussi. Mais absolument. C'est-à-dire qu'en fait, en général, imaginons je rencontre Chapeau Vert. Je dis, allez, Chapeau Vert. C'est vrai? Je parle avec bien. Chapeau Vert, tout ça. Et puis je retiens que Chapeau Vert avec telle tendance, avec tel profil et tout. Et puis un jour... Dans mon groupe, il y a une opportunité. Je dis, ah, mais Chapeau Vert. Ça, c'est ça collait bien. Ça collait bien. Retrouvez-moi Chapeau Vert. C'est comme ça. En fait, moi, je suis plus dans ça que dans. Nous recrutons, fiche de poste, fiche de poste. On fait 50 entretiens. Et puis, on voit tout le monde. Et puis, la moitié viennent te baratiner. Bon, c'est vrai que nous, on est en mode dans la technique. Ouais, on en parlait parfois tu es dans la technique. Mais c'est vrai que ouais, tu peux avoir des rencontres comme ça. Où, C'est un mix de ton. Talent personnel, ta capacité à le faire. Et je pense que du coup, tu as travaillé aussi ton exposition aux gens. Bien c'est sûr. C'est pour ça que tu as aussi beaucoup de gens. Moi, par exemple, j'aurais beaucoup de mal à faire ça parce que je ne parle pas à beaucoup de gens. Mais c'est ça, en fait.
Donc, même si je voulais le faire, même si j'avais la capacité à avoir le nez, voilà, je renifle rien. Donc, à partir de là, il n'y a rien qui passe. Donc, tu veux, il n'y a pas de. Alors que moi, je passe ma vie à parler aux gens. Mmh. Moi, je parle. Mais regarde, beaucoup de jeunes m'écrivent en me disant, mais tu es le seul qui nous répond sur Instagram systématiquement. Mmh. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. Mais moi, je réponds à tout le monde sur Instagram. C'est quand un jeune m'écrit, si j'ai pas envie, je fais une flamme, je fais un cœur, je fais un pouce, je fais tout ce que tu veux, mais je réponds. Je lis tout. Je ne suis pas obligé. Ouais. Mais ça me permet de. Et souvent, je dis à mes enfants, et tu sais, j'ai 51 ans maintenant, donc j'ai besoin de rester connecté au monde d'aujourd'hui. Et ma seule façon, moi, de comprendre les mentalités maintenant, je suis un publicitaire, je suis dans ouais, c'est ton métier aussi. Hein. Voilà, donc j'ai besoin de comprendre comment les gens fonctionnent. Tu ne veux pas être celui qui dit c'était mieux avant. Non, je ne juge jamais par rapport à avant en plus, tu vois. Et c'est pour ça que on a rigolé sur Kim Kardashian, mais c'est ça. Beaucoup de gens disent, oui, mais nous, on préfère. Non, mais t'as rien à préférer. Le monde, il est fait de plus, de A, de ainsi, c'est tout. Exactement. Tu fais tout avec, voilà. Donc, c'est vraiment. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un vrai sujet. Je pense que ça aide vraiment de sentir les gens, de comprendre leur personnalité, de comprendre leurs aptitudes, et puis de les coller à un sujet d'entreprise. Dans le plus, ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Après, tu peux rapidement voir. Parce que techniquement, tu cherches un gars du digital. Si je cherche un gars du digital, mais qui n'est pas pointu sur de l'analytique en digital, mais qui sait me parler des tendances, qui sait qui est un homme du monde, qui a compris comment le temps a réussi dans le digital, il a déjà toute la structure mentale pour être un tueur. Donc la formation là, c'est rapide après. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, bien sûr. Mais par contre, si tu es un gars qui est très très fort dans le digital, techniquement, mais qui n'a pas l'ouverture qu'il faut, qui ne comprend pas les enjeux. Ouais. Surtout dans le digital. Surtout dans le digital, ça va changer tellement vite. Que, ouais. Donc en fait, ça va tellement vite que tu as besoin d'avoir un gars qui comprend ça. Donc moi, je vais avoir tendance plutôt à privilégier le mec qui a une compréhension plus stratégique. Bien sûr. Qui est plus adapté que le mec qui est plus tête dans le guidon, en fait, tu vois. C'est ça mon. Des fois, ça me joue des tours. Des fois, je réussis. Oui, bien sûr. On n'est jamais à 100%, tu sais. Le truc que j'allais te demander, moi, si jamais on pouvait conclure juste, c'est tout à l'heure, quand on parlait rapidement, tu as dit quelque chose qui m'a un peu marqué. Tu as dit une grosse partie de ce qui m'a permis de développer, de financer, c'est quand tu es passé de juste l'agence à l'immobilier. Qu'est-ce que tu entends par. En termes d'échelle, comment tu es arrivé dans l'immobilier et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de l'immobilier en fait, pour toi. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que dans nos métiers, ce qui a fait que des gens même plus talentueux que moi, c'est des grands frères que j'ai connus qui étaient dans la pub et tout, n'ont pas forcément abouti en termes de projet d'entreprise et ont vu des entreprises qui ont été très bonnes pendant 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, des fois même 10 ans. Et puis après, elles se sont. On n'a pas parlé de la longévité. Voilà, ouais. Comment tu tiens aussi longtemps ouais. Non, elle est liée justement à la compréhension même de tes enjeux financiers. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont faire 1 milliard de chiffre d'affaires et ils vont vivre sur le milliard de chiffre d'affaires. Alors qu'en réalité, c'est pas normal. Parce qu'en réalité, ta vraie marge dessus, elle est peut-être de 10 points, donc de 100 millions. Ah, là, on a la technique qu'on aime. Là, c'est... Et que sur tes 10 points, quand tu as payé tes salaires, tu as payé tes charges et tout, en réalité, en net, tu es ou en déficit, ou tu es à 5 points. Donc en réalité, sur les 100 points, tu n'as que 5 millions que tu gagnes. Donc en réalité, ton train de vie, tu dois l'assumer sur 5 millions. Donc les gens doivent vivre sur leur marge, pas sur leur chiffre d'affaires. Oui. Et même pas sur la marge seulement. Sur le profit net, quoi. Sur la marge consommable. Parce qu'il y a une marge que tu dois réaffecter à l'investissement. Ah, ben tiens, Caillé, c'est ce dont tu parles souvent, toi. Exactement. Tu comprends. Ouais. Donc, techniquement. Toi, ton heuristique, c'est quoi? 50% que tu remets? Qu'est-ce que tu dirais? Non, j'ai fait une intervention au téléphone. Des fois, ils m'ont demandé comment l'importance de l'investissement. J'ai fait même un tableau, un petit schéma. Oh, pour l'expliquer. Ouais. Si, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais reprendre mon téléphone tout à l'heure, puis je vous l'explique tout de suite. Alors, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ton gestionnaire d'entreprise fait de l'argent, ce n'est pas ton argent. Ah bah amen, oui. Pour beaucoup de gens comprennent ça, effectivement, c'est vrai. Et donc, tu ne peux pas commencer à t'acheter la plus belle voiture, à t'acheter la plus belle maison, commencer à faire tous les restaurants, commencer à voyager en business et consorts. Oh man, y a des gens, oui, qui font ça avant même que le contrat est signé, l'argent n'est même pas arrivé, ils font déjà ça. Donc, une fois que tu as compris ça, tu sais que quand ton business tourne vraiment,
À la fin de l'année, tu as fait 15 points de marge brute ou 20 points de marge brute et qu'au net, tu seras à 5-6 et que vous êtes 3-4 associés, vous partagez l'argent, ça ne représente plus grand-chose. Tu peux faire 10 milliards de chiffre d'affaires. Ouais. On est d'accord ? Et puis, tu fais 1 milliard de bénéfices. Et puis, c'est ton milliard de bénéfices. Ben, techniquement, il y a un peu d'impôts, il y a un peu de... Il y a un pot dedans, il y a tout ça. Et puis, il te reste 400 millions. 400 millions, tu dois affecter 200 millions à un peu d'investissement pour parler l'avenir. Ouais, donc, il va te rester 200 millions, vous êtes 4, chacun va prendre 50 millions. Donc, en fait, en réalité, potentiellement, tu es milliardaire. Mais en fait, tu as que 50 millions. Ouais, parce que les gens parlent de milliardaire sur oui. Milliardaire sur le papier. Moi, je dis sur le papier. Comme moi, je dis souvent, c'est sur le papier quand je dis aux gens. Tu comprends ce que je dis ou pas? Ouais, je vois. Donc, c'est pas ton argent. Quand on parle de toi, on dit tu es milliardaire, tu as fait 10 millions. Il fait 10 milliards. Oui, mais tu pèses 50 millions toi-même. Donc, en fait, c'est important de comprendre ça. Et de comprendre que donc, l'entreprise, là, c'est pas un endroit où tu t'enrichis. Ah, intéressant. Même en tant qu'entrepreneur. En fait, tu enrichis ton entreprise. Tu grandis sa valo. Et c'est ça qui t'enrichit, toi, après. Après, exactement. Donc, la première démarche, là, c'est de dire, je gagne de l'argent. J'ai la part qui me concerne, là, qui est une petite part. Le reste, là, je réinvestis pour que l'entreprise prenne de la valeur. Ouais. Et cette valeur-là qui, fondamentalement, demain... Me sera utile. Me sera utile. Sauf que, dans l'entreprise, ça peut fluctuer du jour au lendemain en fonction du type de business que tu es. Bien sûr. Nos business, par exemple, sont des business très fluctuants. Tu as un gros client aujourd'hui, tu le perds demain. Donc, tu peux passer d'un chiffre d'affaires de 20 milliards à 5 milliards un matin. Mais tu as perdu 2-3 gros clients. Donc, comment est-ce que fondamentalement, au-delà de ton entreprise de tout, tu pérennises toi-même ta sécurité personnelle financière. Ta sécurité personnelle financière, celle de ta famille. C'est deux choses complètement différentes que les gens ont beaucoup de mal à séparer, ce que je dis souvent. C'est pour ça que tu vois les nuances. Il faut faire la différence entre ton entreprise, ses gains, ton revenu dans l'entreprise, et puis ta sécurité personnelle en tant qu'entrepreneur. Ta sécurité ne se joue pas sur ton entreprise. En tout cas, il vaut mieux éviter, sinon t'es mal. Donc, il faut séparer les choses. Donc, moi, ce que j'ai fait à un moment donné, ce que je me suis dit, tout mon volet perso, je vais d'abord aller dans l'immobilier, qui est un sujet positif en termes de sécurité. Oui, c'est plus stable. Tu comprends? Et donc, en réalité, ce que tu fais dans l'immobilier, je dis toujours aux jeunes et aux moins jeunes, ne vous endettez pas pour construire le premier projet que vous avez. Ça, c'est contre-intuitif. Beaucoup de gens, oui, vont s'endetter directement pour ça. Non. Tu dois épargner pour y arriver. Le premier projet, c'est un projet où tu mets des locataires ou tu parles... Quel que soit le projet que tu fais. Quel que soit le projet. Non, parce que locataire, non, si tu n'as pas de locataire, ce n'est pas un projet immobilier, ce n'est pas un investissement. Ouais, c'est ça. C'est juste ta maison, là, tu dépenses. Mais là, ouais, là, l'idée, c'est de te dire, en gros, ça revient à ce que tu disais, c'est... entre guillemets, quand tu as les moyens de ta politique et tu considères qu'avoir les moyens de ta politique, c'est j'ai les sous, j'ai la capacité. En fait, de... l'endettement, c'est un appauvrissement. Seigneur, il faut dire ça aux gens. Et... Non, je t'explique, vas-y. C'est important ce que je dis. Quand tu dis, et je le dis à tous les jeunes, je gagne 1,5 million tous les mois. Je suis capable d'épargner 500 000. Et donc, avec cette épargne-là, je vais aller, par exemple, m'acheter une maison dans un programme immobilier qui va me coûter 50 millions et je vais affecter mes 500 000 mensuels à ça. Ouais. Ce projet. Ce n'est pas juste. Ça peut être un choix. Oui, bien sûr. Quel est le leur, et je ne veux pas discuter de leur choix parce que chacun fait les choix de sa vie. Mais en termes d'intelligence financière pure, ce n'est pas juste. Parce que la maison que tu veux habiter tant, là, elle ne te rapportera rien. Ce n'est pas un investissement. C'est une dépense, il faut le dire aux gens. C'est une dépense. Ouais. C'est une dépense. Et dès que tu l'auras, elle va te créer d'autres charges encore. Elle va créer d'autres problèmes, exactement. Bien sûr, naturellement. Parce qu'il y a le coût d'acquisition et puis il y a le coût de possession. Exactement. Le coût de possession. Ouais. Donc, fondamentalement, tes 500 000, là, tu vas galérer toute ta vie en train de payer un crédit tous les mois. Tous les mois. Alors que, si tu dis, mais 500 000, je garde mes 500 000 pendant un an, ça fait 6 millions.
6 millions, il y a un petit projet qui me plaît on the side, que je peux faire, dans lequel je pense que je suis pas mal. Et ce projet va me rapporter peut-être 1 million par mois. Je mets mes 6 millions dedans. Ah, c'est beau ça, oui. Et je prends 1 million par mois, ça me fait 12. 12, c'est très beau ça. Au bout de deux ans, ça me fait 24. Au bout de 3, avec un peu de chance, au lieu de peut-être gagner 1, peut-être je gagne 1, 5 ou 2. En gros, je suis à 40-50 millions. Je décide de commencer un projet. Moi, mon projet immobilier, quand je l'ai commencé, j'avais 10 millions sur moi. Ton premier projet immobilier? J'avais 10 millions. Ok, intéressant. Très intéressant. Je me suis dit, j'ai acheté des briques. C'est pas grave. Acheter des briques? Oui, j'ai commencé à acheter des briques. C'est un vrai sujet. Ah ouais? J'avais 10 millions. Ouais, c'est si. J'avais pas l'argent. La matière. Le projet que j'ai fait, c'était en centaines de millions, plus d'un centaine de millions. J'avais 10 millions. Et j'ai acheté des briques. Tu as mis les briques là-bas? J'ai mis les briques là. Et tous les jours, je dis avec venez taper les briques. On vient, on tape, on monte, et puis je viens. Je vais me promener. Quand je fais 2 millions, 3 millions, je viens, j'achète des briques. Je mets. Oh, wow. Tu me suis? Donc, leçon partielle sur ça, faut jamais attendre d'avoir toute la somme avant de commencer quelque chose. Aussi, très important. C'est l'action même qui est créatrice. Ouais, parce que quand tu commences, elle t'envoie des opportunités que tu n'imagines même pas. Elle t'ouvre des portes, elle t'envoie des choses que toi-même tu n'avais pas prévues. Donc n'attends jamais d'avoir tout pour commencer. Commence. Donc tu vas faire ça, et puis tu vas finir de construire un beau petit projet. Exemple, tu parlais, tu allais investir dans un petit truc, tu as fait 4 appartements par exemple, j'ai une bêtise, hein. Et que tu vas louer ces 4 appartements là, grosso modo, j'ai une bêtise, à 1 million chaque appartement, je prends un chiffre comme ça, ça te fait 4 millions par mois. Wow. Donc quand tu finis de faire ça là, tu as un bien immobilier qui vaut, exemple, hein, je sais pas, 300 millions ou 200 millions, que tu loues, qui te rapporte 4 millions. Tu vas voir la banque maintenant. Là maintenant, tu vas voir la banque. Là maintenant. Et tu refinances. C'est-à-dire. Tu refinances ton bien. Ça veut dire que le premier bien que tu as construit tout seul. Oui. Tu reprends de l'argent. Auprès de la banque. Auprès de la banque, en le mettant lui. Comme en garantie. Face, comme garantie. Ah oui. Ce qui fait que quand la banque va te donner 500 millions en regardant ton bien, mais ton crédit va être remboursé par tes loyers. Et toi, tu auras une nouvelle somme de 500 millions pour commencer à faire autre chose. Ah oui, ok. Se sert du bien. Et donc, tu te sers du bien pour pouvoir investir plus encore, pour générer d'autres assets qui créent encore plus d'argent. Merci beaucoup. Alors que si ton premier asset, c'est un asset qui te lie. Tu ne peux pas faire ça, oui. Parce que tu ne le possèdes pas entièrement et en fait, il est un coût, pas une source de revenus. Parce que comment tu vas le payer? Oui, comment tu vas le payer? C'est, imagine que tu as pris de l'argent chez la banque. Et puis, tu as construit l'asset. Mais tu vas passer ta vie à payer l'asset. Oui, et ils ne vont pas te donner de l'argent pour un nouvel asset. Un nouvel asset. Je crois que les gens vont demander un live sur cette partie-là. Ouh, là, il faut qu'on fasse un live. Je pense que là... Je sais pas si tu m'as compris. Oui, il faut que tu ailles chez Philippe, genre qui est spécialiste. Mais tu m'as compris ou pas? Je vois très bien. Non, mais fait, là... Et ça, moi, je dis à tous les jeunes, moi, tu verras mes collaborateurs, mes directeurs, et toutes les fois, je vais dans leur bureau. Hein. Bon, t'en es où sur ta construction? Tu fais quoi? Pourquoi? Tu mets la pression? Non, je les aide quand même. Je les pousse et je les aide à dire... Faites des choses. Parce que fondamentalement, si tu veux un collaborateur équilibré qui a un certain âge aussi, il faut qu'il ait sa maison, il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il ait la sécurité, il faut qu'il sente que quand même sa vie a changé. Ouais. Il ne peut pas être en danger tous les jours au bureau et puis il est avec toi. Tous les jours, il est en panique sur ton affaire. Non. Par contre, fondamentalement, il faut qu'il comprenne le modèle. Si tu commences à prendre un crédit qui n'est pas productif et qui te permet de faire quelque chose juste ou c'est ton salaire ou quelque chose qui va te permettre de rembourser, tu es mort. Tu es dead. Donc, si tu prends un crédit... Et en fait, oui, la plupart des gens rentrent dans cette rat race comme ça, en fait. Ils rentrent par le premier bien et ils s'en sortent jamais. On en revient au cercle, ce que la société te dit c'est ça. Faire. Exactement, qui n'est pas du tout forcément ce qui est intéressant. Non, ce n'est pas du tout. Moi, je dis, il ne faut jamais le faire. Il ne faut, faut jamais prendre son premier crédit. Parce que je vois beaucoup de jeunes qui disent, OK... Nous, on veut une maison, c'est maintenant, on va prendre une voiture. Oui, une voiture. Il y en a qui prennent le premier crédit, c'est voiture. Ouais. Sauf qu'après, tu passes toute ta vie à rembourser ça, ça te complique ta vie, c'est compliqué et tout. Non. Si tu fais. Alors, par rapport au tableau d'un investissement, je ne sais pas si tu as le schéma d'ailleurs qu'on avait fait quand j'avais fait la présentation à l'Hôtel Ivoire sur le tableau d'investissement. Après, certains te diront que moi, je suis salarié. Donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Je n'ai peut-être pas le temps de trouver l'opportunité, quoi faire avec 5 millions. Donc, il est plus à l'aise avec l'idée de rembourser la banque, aller à son boulot, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, c'est plus safe. Il y a toujours une opportunité avec 5 millions.
En fait, c'est ça le problème. Oui. Donc, tu dis qu'à 10 millions, tu as réussi à faire quelque chose. J'ai dit que moi, mon premier immeuble, quand j'ai commencé à le construire, j'avais 10 millions sur moi. Et après, tu as complété au fur et à mesure des années. Il t'a mis combien de temps avant de construire ? 4 ans pour le construire. 4 ans pour le construire, et là, tu as commencé à avoir des loyers. Et puis, à partir du moment où je l'ai construit, là, ma vie a changé. Fabrice, hey, ta vie a changé après ce premier immeuble. Oui, parce que. Parce que lui, tu as ramené des loyers. Là, j'avais une crédibilité nouvelle auprès des banquiers. C'est rien à voir avec vaudou, tout ça. C'est que tu vas voir les banquiers, tu dis j'ai un immeuble de temps, un appartement et tout. Je veux. Ah, tu veux combien ? Ils te donnent. Et donc, comme ils te donnent, imagine, ils me donnent 500 millions. 500 millions, hein. Je vais en faire une autre activité ou un autre immeuble. Qui génère lui aussi, du revenu. Sauf que je ne suis pas lié par le premier immeuble, puisque fondamentalement, par ce crédit, puisque le premier immeuble rembourse le crédit. Wow. C'est tranquille. J'ai aucune charge mensuelle. Enfin, j'ai aucun lien bancaire mensuel qui m'étrangle. Qui t'étrangle derrière. Puisque fondamentalement, l'immeuble, il rembourse. L'ancien immeuble rembourse le nouveau crédit. Tu comprends le truc ou pas ? Ah, j'avoue, ouais. Effectivement, maintenant que tu dis ça, effectivement, je peux concevoir qu'effectivement, tu n'as plus autant de sujets. Oui, là, tu peux tenter beaucoup plus de business même derrière. Bien parce sûr. En fait, c'est dérisqué sur une grosse partie parce que, ben, en fait, il y a un asset derrière qui, lui, continuera à tourner. Faut jamais penser que non, c'est parce que on n'a pas de. 5 millions, c'est suffisant. Mais c'est intéressant parce que je pense que. Tu en as déjà parlé de ça aux gens publiquement parce que ça m'épate parce que je crois. Non, je vous ai réservé des petits scoops quand même, les gars. Voilà, tu nous mets bien, merci, vraiment. Ah, vraiment. Non, c'est un conseil. Après chacun fait ce qu'il veut. Chacun dira, il y a un qui va dire écoutez, les gars, moi, non, moi j'ai pris un crédit, ça va. Ok, c'est ton choix. Non, mais comme on disait, c'est pas des questions de vérité absolue. C'est ça. Mais les gens doivent se demander, effectivement. Donc c'est ce qui t'a permis aussi de faire toutes ces opportunités, de tenter tous ces business. Bien sûr. Parce que si fondamentalement, si jamais tu n'avais pas eu ça, tu n'aurais pas tenté tout ce que tu as fait. Du coup, non, bien sûr, parce qu'après, à un moment donné, tu as une crédibilité qui fait que, en fait, c'est le banquier qui te suit. Et ça, ça n'a rien à voir avec vaudou. Le banquier, oui, il s'en fout. Le vaudou, en fait, il ne regarde pas vaudou. Non, il s'en fout. Non, parce que vaudou, c'est une entreprise. Elle a ses résultats, elle a son truc, et puis moi, j'ai ma gestion perso, qui n'a rien à voir avec vaudou, qui n'a rien à voir avec Live TV. Tu vois, et donc, fondamentalement. Ah, c'est décorrélé complètement. Alors que pour les gens, on voit tout lié, en fait. Non, il n'y a pas de lien. Et ça, c'est c'est le goal. Le goal, c'est de décorréler ta stabilité financière, bien ta sûr. Stabilité financière. Mais d'ailleurs, tu as un groupe qui s'appelle Fabrice Sawignon, non ? Non, j'ai une holding perso, mais ce n'est pas Fabrice Sawignon. Ah, d'accord. Non, j'ai une holding perso. Ouais. D'accord. C'est la holding qui va piloter l'ensemble de mes activités. En fait, dans mon groupe, si on veut, dans mon groupe, il y a trois groupes. Il y a le groupe Vaudou, j'ai les actionnaires spécifiques. J'ai le groupe Live TV, où ce n'est pas les mêmes actionnaires que le groupe Vaudou. D'accord. Et puis, j'ai le groupe Fabrice Sawignon. Pour la personne. Je suis tout seul, familial. Ok, très bien. Okay, voilà. Donc c'est ça en fait. Et en gros, quand tu prends mon BBR et tout, c'est la partie familiale, la partie perso, et ainsi de suite. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc tout c'est ce qui va être immobilier va être plutôt là-bas. Plutôt là-bas. Tout ce qui est divertissement va être. C'est à cheval parce que la télé c'est divertissement aussi, tu vois. C'est comme un divertissement. C'est un divertissement qui toi t'intéresse, mais l'ownership n'est partagé. C'est pas là que toi, par exemple. Là, il y a des actionnaires dans. Donc, bien sûr, par exemple, Vaudou, à l'époque, je dis, c'est mon cousin qui m'avait financé. Entre temps, Félix, qui est mon numéro 2 chez Vaudou, qui a travaillé pendant longtemps, qui a été à l'origine aussi avec moi, qui a travaillé, qui a construit tout ça, est devenu actionnaire aussi, tu vois. Bien. Donc on est. C'est le rêve, ça. Bien sûr, non, mais c'est ça l'idée aussi. L'idée, c'est que des personnes compétentes qui sont fiables, qui sont là, qui sont dans le temps, qui construisent avec toi. Donc, on va aussi bénéficier de Félix, effectivement. On a estimé que Félix avait quand même mérité de venir avec nous, tu vois, un actionnaire important. Et donc, il est aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est vraiment. Pendant que tu cherches, il y avait aussi une question bizarre par rapport à Mandjaro. Vas-y. Les gens, ouais, non, mais ça, c'est facile, mais moi, j'ai la réponse. Les gens demandaient, mais combien c'est Mandjaro ? Mais en fait, on était frappés parce qu'on te dit, tu peux poser une question à Fabrice Sawignon. Et toi, ta question, c'est. C'est combien membership une réponse tu peux avoir partout ailleurs. C'est sans j'adore. Lui parler. J'adore. Non, mais. On avait quoi d'autre ? Sur le thème d'investissement qui était personnel, qui était bien. Non, franchement, il n'y avait pas de questions. La question qui restait, quand on parle un peu de ta holding et de cette notion de patrimoine, c'est dans la transmission. Est-ce que tu voudrais que tes enfants reprennent ? Comment tu vois les choses ? Qui reprennent ton groupe. Ah oui, absolument. Mais ça c'est ça c'est vraiment même c'est même une obligation. C'est ça qu'on veut savoir. Voilà. Tous les jours je leur dis ça. Chacun cherche sa voix. Non mais tous les jours.
Tout à l'heure, tu nous as dit on doit chercher non, chacun, chacun est unique. Tous les jours. Non, non, mais en fait, non. C'est pas que tu sais. Et ça, attends, je vais juste retrouver ça. Vas-y. Parce que ça me stresse là, de ne pas retrouver. Attends. Non, t'inquiète pas. Juste en deux secondes, je vais juste retrouver ça. C'est pas pour tout le monde. Voilà, alors regarde. Le schéma, alors, on le montre que dans le groupe Telegram. Oui, voilà, c'est le moment où on fait la pause pub. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous. Bon, ça fait likez la vidéo. On n'est pas des bons YouTubeurs. Tu vois, alors je te montre ça, tu vois. Ah, le tableau. J'ai fait un tableau. Access Prime. Ouh. Voilà, c'est important parce que moi, tu sais, moi. Enfin, c'est juste de le dire comme ça, mais comme nous, les gens pas trop intelligents. Oh, pardon. Mais c'est ce qu'on fait. Ce que je veux dire, c'est non. Les gens qui ont pas trop le diplôme. Non, nous, mais même ça, ta licence. Nous, on construit tout, tu sais, on écrit tout, on calcule tout. Moi, je note tout. Et moi, j'aime bien schématiser les choses. Ouais, les choses les plus complexes, je les rends simples avec des schémas. Exactement. Tu vois, écoute, tu vois, là, je pense que dans la vie, on a vraiment trois étapes dans la vie. Ouais. Il y a ce que là, j'appelle. Et j'ai fait Access Prime Time pour que ça rappelle la télévision, tu vois. Mmh. Voilà. Et donc, conceptuellement, ça, c'est le côté publicitaire, tu vois. Et donc, ce que je voulais, c'est que les gens comprennent que tu as trois étapes de ta vie qui sont importantes. Tu as entre 20 et 30 ans, tu vois, entre 30 et 40 ans, ouais. Entre 40 et 50 ans, et puis entre 50 ans et plus. Mmh. Et donc, je t'explique que quand tu as 20 ans, ta vie, ton coût de ton lifestyle doit te coûter que 20% de tes revenus. Quand tu as entre 20 et 30 ans. Ah, j'ai vu ça. Ça veut dire que. Quand tu as fait l'événement. Voilà, ça veut dire que si tu peux habiter chez tes parents, habite chez tes parents. C'est bien. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il n'y a pas de honte. Tu as 25 ans, tu es chez tes parents, pourquoi tu es fâché? Ou colloque. Ou colloque comme toi. Ou colloque. Voilà. Tu es obligé d'être tout seul, de vivre ta vie comme un boss. Nous, à l'époque, notre loyer nous coûtait 160 000 francs. À 4. À 4 000 chacun. On avait 5 pièces à la Tour Wedge, à la Riviera Golf. Donc moi, je payais 45 000 parce que moi, j'avais la chambre principale. Ok. Donc, c'est bien ça. Petit grille. Petit voilà. Voilà. GPS, mais ça me coûtait 45 000 balles. C'est rien. Tu vois, et donc, je t'ai dit, j'ai gagné 180 000 à la base. Mais c'est bio. Donc, tu vois, donc, j'avais la possibilité de gérer. Tu gérais bien. Ouais. Et donc, ici. Life. Donc ça, c'était dedans. Ton loyer doit être dans life. Life. Loyer sorti, tout dans life. Tout dans life. 20%, les 20%. Gens. Vous avez entendu 20%. Ton épargne, 20%. Mmh. C'est pas le plus important d'avoir une grosse épargne. Ouais. Ton investissement, 60%. 60% de ton argent, de 20 à 30 ans dans ton investissement, y compris investissement sur toi, j'imagine, formation. Tout ce qui est, en fait, tu dois te créer, exemple, si tu dis, je gagne 100 000 francs, tu dois dire, je prends 20 000 francs pour vivre, 20 000 francs, que je, même s'il pleut, je ne touche pas. Au cas où. Et puis, je mets 60 000 francs là. Ça, je suis en train d'économiser mon projet d'investissement. C'est comme, tu dois te faire gagner plus. Ouais, voilà, si c'est comme... C'est pas une épargne vraiment, mais c'est un mythe. Je mets de côté pour l'investissement. D'accord, très bien. Ok. Donc, ensuite, quand tu commences à avoir 30 ans, ta life va passer à 40%. Ah, là, ça augmente. Ok, ta life augmente. Bien sûr, parce que quand tu commences à. Après 30 ans, tu as besoin de te marier. T'as une famille. Mais t'as commencé, t'es pas encore marié, tu as forcément une copine. Ouais. Tu commences à dire est-ce que je vais faire un enfant ou pas. Est-ce que donc tu commences à vivre à deux. Ouais. Et pourquoi c'est 40% seulement? Parce que théoriquement, ton conjoint aussi a un revenu. Inch'Allah. Donc 40 plus 40. 40 plus 40. Normalement, ouais. Okay. Donc ça vous fait. Un bon 80. Un bon 80. Ce qui fait que même si, je dis une bêtise, moi je gagne 1 million, elle gagne 1 million, on ne vit pas sur 400 000, on vit sur 800 000. Donc vous vivez, oui. C'est tu vois, donc on a notre appart, on a notre truc. Donc voilà. Mais là, il y a un sujet sur l'entourage. Ouais, le conjoint. Faut bien choisir. On en reparlera, ça, c'est un autre sujet. Voilà. C'est un autre débat encore. Ensuite, tu as l'investissement là qui passe à 40. Bon, quand même, hein. C'est bien. C'est mais beau. Ça reste toujours l'investissement, ça doit te rester le top. Toujours. Et puis, après 40 ans, là, ta life maintenant devient 50%. Parce que tu as deux, trois enfants, tu payes l'école, tu payes les trucs. Donc là, à ce moment-là, tu dois avoir déjà fait ton premier investissement quand même. Là. Ah, mais bien sûr. À 40 ans, là, il faut que t'aies ton immeuble là, il doit se passer là. En fait, là, tu as 10 ans là, entre 20 et 30. Il faut que ça sorte là. Donc en fait, ce que je dis, c'est que en fait, c'est ton paquet investissement. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc ça peut être un immeuble, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un business auquel tu crois, ça peut être une formation. Tout ce que tu veux, tout ce qui t'aide en tout cas. À générer du revenu. À générer du revenu complémentaire. Ouais. C'est dit, je vais me former sur telle chose parce que je vais faire les décorations d'intérieur. Parce que je considère que je vais faire une petite agence de décoration d'intérieur. Va ta te former. Formation est un investissement. Très important. Bien sûr, absolument. Je suis d'accord, tu vois. Et donc là, après 40 ans, tu as deux enfants, ils commencent à dire on est à l'université. Ou bien, ouais. Les frais montent un peu plus. Les coûts montent un peu. Mais. Canada. Canada, tu vois. Mais l'investissement, tu vois. Toujours 40. Wow. Et puis, après 50 ans maintenant,
la vie doit prendre 60. C'est-à-dire que là, maintenant, tu peux acheter le bateau que tu aimes. Tu peux acheter la voiture que tu aimes. Après 50 ans. Vous avez entendu, hein? Cherchez pas le sauf bateau. Si, de... Sauf si tu as accéléré. Et sauf si tu es chaud. Et que tu es chaud. Parce que les gens, ils te voient, mais faut que... tu as accéléré d'abord. Ouais, non, faut accélérer avant d'arriver là. C'est ça. Mais il ne faut pas se tromper, tu vois. Et c'est pour ça que je vais vous partager vraiment ce. Ah ça, on va le garder pour le nom de notre groupe, ouais, le groupe Telegram. C'est un voyage, en fait. Je vous l'envoie, comme ça, vous l'aurez. Ça, rejoignez le groupe Telegram, vous verrez, on mettra un petit lien, si vous voulez. Je t'envoie. Si vous voulez avoir accès à ce petit tableau, même si en vrai il est public, mais vous allez galérer pour le trouver, c'est dans le groupe Telegram en exclusivité pour nos abonnés. C'est un voyage, en fait, moi, c'est ce que... En fait, ce que je veux... Après, je dis tout ce qu'on dit là, c'est pas c'est mathématique, vous faites exactement ça. Non, mais c'est très bon. C'est un objectif. C'est une notion qui te dit, ok, moi j'ai une partie de ma vie où ce que je dois faire, c'est investir. Exactement. D'abord, avant de kiffer la life. Voilà. Parce que la life, là, je vais la kiffer plus tard. C'est pas grave. Alors que beaucoup de gens veulent kiffer jeune, y compris moi. Hein. C'était l'une de mes grosses erreurs. Je voulais avoir de l'argent avant 30 ans. Mais non, mais il n'y a, y a aucune pression. Ouais. Il n'y a aucune pression, tu vois. Et ça, vraiment, c'est... Donc, je vais revenir maintenant sur le sujet dont on parlait avant. Avant ça, c'était quoi déjà? On parlait de quoi? Tu as la transmission dont on a parlé avant. Après, on a parlé de ton groupe. Après, Kai parlait avec toi de comment tu fais pour structurer et gérer les différents... Non, mes enfants, c'était mes enfants. Tes enfants, ouais, la transmission aux enfants. Alors, en fait, moi, j'explique. Moi, tu sais, mon premier fils, il a fait son bachelor. Il aura son bachelor. Il va gratuit le mois prochain, d'ailleurs, à Toronto. Il fait communication, production, ainsi de suite. Quand il était tout petit, quand il voulait faire ses stages en tant qu'élève, on l'avait mis dans un cabinet d'avocat, il voulait devenir avocat. Ok. Donc toute sa vie, il a dit, je veux devenir avocat, je veux devenir avocat. Et puis quand il est arrivé en terminale, il m'a dit, papa, je veux faire de la com. Je lui ai dit, tu ne fais pas la com. Il m'a dit, si, je veux faire de la com. J'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Pendant 6 mois, on discutait. Il m'a dit, parce que je me suis dit, c'est trop facile. C'est trop facile, tu veux copier la com. Ouais. Mais je faisais exprès, c'était juste pour le challenger, pour le tester, savoir s'il y tenait vraiment. Si vraiment, c'était pas juste un mimétisme, quoi. Et donc, avant ça, il avait dit qu'il veut faire un bac L. Sa mère a dit non, pourquoi il fait un bac L alors qu'il est plutôt bon quand même dans les sciences et tout. Faut qu'il fasse. J'ai dit, laisse le petit faire ce qu'il veut. Ouais, voilà. Vous les avez quand même laissé. C'est bien. Hein. Tu vois, donc il a fait son bac L, il a eu son bac L avec mention. Mention bien. Et donc il est allé. Il est allé faire ses études donc, au Canada. Et je l'ai laissé choisir. Il a choisi. Il est dans un métier. Qui ressemble bien à ce qu'on veut. Et donc ce que j'aimerais, c'est qu'il vienne bosser avec moi. Parce que fondamentalement, tout ce que je bâtis, c'est pas pour moi. Amen. Tu comprends ce que je dis? Donc, fondamentalement, c'est ce que je veux. Mais s'il fait un autre choix, je ne vais pas lui en vouloir. Mais ce que je souhaite, moi, si tu me demandais, moi, qu'est-ce que je souhaite, c'est ça que je souhaite. Qu'il vienne bosser avec moi. C'est bien. Son petit frère est en finance, toujours au Canada. Et oui, je veux aussi que demain, il vienne bosser sur plein de choses. Vous avez quoi faire? On fait beaucoup de montage, on fait beaucoup de choses. S'il peut venir apporter un peu d'ingénierie aussi à tout ça, c'est bien. C'est normal. L'idéal, c'est ça. Maintenant, après, s'ils font d'autres choix, je ne vais pas en vouloir. Hein, c'était tout. Mais bon, en gros. Ouais, c'est. Ce serait sympa quand même. Ouais. Moi, je suis pas un père contraignant. Ah, très important. Je suis un père qui laisse vraiment. Moi, je suis un père qui définit une zone. Et chacun fait ce qu'il veut dans la zone. Une zone de définition encore. Voilà. En fait, non, c'est important parce qu'en gros, il faut qu'il sache que, en tant que Gilles Hakim ou en tant que Jalen, voilà ce qu'il représente. En termes de nom, en termes de valeur, en termes de posture. Et comme tu l'as dit pour les autres, ouais, tu veux qu'ils aient ça pour eux. Maintenant, après, si vous avez des choses qui vous passionnent, que vous voulez le faire, moi, je ne vous empêcherai pas. Au contraire, je veux qu'ils soient heureux aussi. Excellent. Non, mais écoute, on a beaucoup entendu le mot heureux. Heureux, je ne sais pas. Alors, parce que normalement, on a une tradition pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Ouais. Là, ouais, je ne sais pas vraiment. Pour prouver qu'ils ont été à la fin, on doit choisir un mot-clé. Et en fait, dans leurs commentaires, ils doivent placer le mot-clé. C'est comme ça qu'on sait que les gens ont regardé jusqu'à la fin. Ouais, donc si tu as une idée, pour moi je saurais quel mot clé mettre pour toi parce que c'est que je pense laisse que... le décider. Non, il va laisser un publicitaire. Je vais pas dire. Non, je vais pas dire. Parce que Kai vanne mes noms, il dit que mes noms sont pourris. Mais... Non, je déciderai. Je veux savoir ce que vous pensez. Parce que moi je non, Kai dit d'abord comme tu aimes bien te moquer de moi. Propose. Moi j'ai le mien déjà. Voilà, moi voilà, il y a le sien. Chapeau vert. Toi t'es un plaisantin. Non, heureux. Toi, t'aurais mis heureux. Ouais. Moi, je pense que le mot qu'on emploie le plus, c'est valeur. Donc, j'aurais mis valeur. Voilà. C'est ça. J'aurais mis valeur. C'est le mot valeur. Ah c'est le mot valeur. La victoire. Non, mais je pense. Non, parce que c'est ce qu'on a dit le plus et c'était
à tous les niveaux. Je pense qu'on a fait beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai, on a défini ces valeurs, on a donné des outils sur comment les définir avec les cercles, les questions qu'on peut se poser. Donc, vraiment des outils. Vraiment des outils. Parce que c'est vrai que c'est. Non, les valeurs, c'est essentiel. C'est ce qui fait la différence, je pense, entre les hommes. C'est tout. Il y a les gens qui croient en des choses, d'autres ne croient pas en des choses. Il y a les gens qui ont une faculté à être plus résilients, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est toutes ces valeurs-là qui vont définir après qui tu vas être. Est-ce que tu es un homme de paix ou pas? Est-ce que tu es un homme ouvert? Il y a des gens qui les incarnent ou pas. Moi, je pense que je t'ai dit, les gens n'ont qu'à me dire quelles valeurs ils incarnent. C'est pas juste les mettre des mots, c'est les incarner. C'est les incarner. Moi, je pense que c'est ça aussi. Je pense que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'attends avec impatience le livre. Sache-le vraiment. C'est Corinne qui s'en occupe d'ailleurs. C'est pour quand, Corinne? Est-ce Corinne, tu peux nous reprendre dessus? C'est pour quand le livre, tu penses? Elle a peur là. Là, elle est sous tension. Ah ouais? Ah, mais c'est là là! Il est parti à l'impression déjà. Ouais, ok. Écoute, franchement, je pense que honnêtement, c'est j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Et il faut donner beaucoup de crédit pour avoir. Peut-être que toi, tu as lu beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres trucs, mais ce que tu as présenté. Tu sais que tu vas rigoler, mais je n'ai jamais lu des livres. Exactement, ce que j'ai dit, c'est ça qui m'impressionne avec toi. C'est que ce que tu as écrit, j'ai l'impression d'entendre une synthèse moderne des 10 plus grands livres de développement personnel que j'ai lu. Ouais, vraiment. Et c'est très, très pratique, surtout que les autres développements personnels ont une tendance à beaucoup théoriser sur la vision, sur le futur. Voilà. Je trouve que ce que toi, tu as fait de très bien et que moi, j'aime beaucoup, c'est t'as centré sur la personne elle-même. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est tiré d'une expérience personnelle. Voilà, et c'est ça. Donc, c'est un partage d'expérience, en fait. Énorme, vraiment. Donc Et tu verras, mon livre, en fait, j'ai pris l'option de faire un livre long, écrit. Bien. Tu sais pourquoi? Avec beaucoup de culture dedans. Parce que je veux que les gens reprennent goût à la lecture, en fait. Très bien. Les jeunes, il faut qu'ils lisent. Amen. Et donc, quand tu vas lire ce livre-là, la première partie du chat te dit, mais où il nous emmène, en fait? Je te parle d'histoire, quoi. Je te parle de plein de choses. C'est bien. Et puis, à la fin, mais tu comprends maintenant où je vais t'emmener. Et c'est ça le sujet. Il faut que vraiment. On pourra faire un spécial L'œil 2. Non, L'œil 2, parce qu'on fait des revues des fois. Donc dès qu'il sort, je pense qu'on va faire le premier, ça va être trop chaud. Vous me direz ce que vous en pensez. Non, dès qu'il est prêt, je vous ferai passer quelques copies. Non, merci. Franchement, merci beaucoup. Et puis merci encore pour le temps. Merci pour le temps. Parce que là, vraiment, franchement, c'était enrichissant, j'espère. En tout cas, autant pour le. Moi, en tout cas, j'ai appris beaucoup. Vraiment, si vous n'avez pas appris, je ne sais pas ce que vous faites là, mais. Énormément. Non, mais c'est un moment de plaisir que j'ai passé avec vous parce que j'apprécie vraiment ce que vous faites, hein, les gars. Donc vraiment, merci, félicitations à vous aussi, d'abord professionnellement dans ce que vous faites chacun. Merci. Et puis ensuite, ce que vous essayez d'inculquer aussi comme valeur, ça en revient au mot. Il faut qu'on ait un blason. J'aime beaucoup même le credo entrepreneur State of Africa. Parce que c'est vraiment un state of mind, tu vois. State of Africa, j'ai trouvé ça bien le jeu. Et tout, franchement. La paternité est là, hein. C'est publicitaire entre nous ici. Non, je trouve que c'est bien de porter ces choses-là et que de créer des plateformes comme ça d'échange, de contribution, de discussion, sans que personne ait le sentiment qu'on veut donner des leçons, qu'on pense qu'on sait tout. Non, c'est juste qu'on prend l'initiative. Et surtout, avoir du temps pour dire des choses, parce que souvent, on est à l'heure de la punchline, du tweet, etc. Ouais. Donc, prendre le temps. C'est très bien. Mais je remarque que Moulay avait prévu de te chambrer sur un truc, mais il n'a pas osé devant toi. Quoi? Sur sa chaîne YouTube, il voulait dire. Mais c'est comment, mais j'avais vu que t'as commencé, mais tu nous as laissé. Non, mais tu veux que je t'explique de ça? Explique-nous. Je t'explique ça plutôt. Vas-y. En fait, c'est ça mon problème. Moi. En fait, à la base, j'ai un cabinet. Mon cabinet, ma chef de cabinet, c'était Sarah Kwame Fayoumi. J'avais Melika qui s'occupait du digital. J'avais comment ça s'appelle, Ina, qui s'occupait de l'administratif. Mon assistante, Marie-Claire, qui est la reine-mère, qui gère tout. Et puis, donc, j'avais une catégorie de personnes. Et puis, à un moment donné, j'ai eu des opportunités professionnelles à proposer à chacune d'entre elles. Donc, tu les as mis sur quelque ça chose. Ça veut dire que Sarah, par exemple, est devenue la directrice de la radio, des live radio. Ah oui, ok. T'as donc, privilégié, je l'ai senti, en fait, finalement. J'ai privilégié leur épanouissement. Ouais, et puis le fait qu'elles grandissent, tu vois, professionnellement, à moi, mon confort personnel, tu vois. Donc, Sarah, elle est passée directrice de la radio. Melika est passée directrice de notre agence digitale. MyMover. Non, il y a MyMover Agency, c'est un projet double, en fait. D'accord. Il y a My Mother Agency et puis il y a... comment ça s'appelle? Soda. Non. Control A. Control A, ok. Voilà. Control A, c'est un duo, en fait. My Mother, c'est un contrat particulier qu'on a pris avec des gars. D'accord. Et puis, tu vois, donc Melika est passée sur ça. Ina est passée
responsable d'achat des programmes à la télévision. En fait, j'ai des postes qui se sont libérés. Dans... T'allais bien avec ces... Voilà, et elles avaient le profil. Et je considérais que Sarah, c'était bien que Sarah ait un poste de direction générale, tu vois. Parce que bon, je trouve qu'elle a été... Elle est avec moi depuis 9 ans, ouais, très Sarah, compétente. Voilà, donc, elle méritait, tu vois, Sarah. De... Voilà. Ouais, non, coucou Sarah, elle sait. Elle méritait de prendre quelque chose d'important dans le groupe, tu vois. Ouais. Melika aussi, qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'idées et tout. La garder juste avec moi dans mon cabinet. J'ai beaucoup de projets, c'est vrai. Ouais. Parce que quand tu es dans mon cabinet, en fait, tu bosses sur tout. Oui. En fait, tu bosses sur l'ensemble des activités. Sur l'ensemble des activités, ouais. Mais tu es quand même, tu sais, très limité parce que tu n'es pas... Tu n'es pas dans la boîte même, tu n'es pas tu, dans, voilà, dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel quotidien. Donc, tu encadres un peu la communication de BBR, tu encadres un peu la communication des sites. Mais tu n'es pas vraiment... Regarde, ça marketing chez BBR, tu vois. Donc, je me suis dit, écoute, Melika, on l'a passé sur l'agence digitale, tu vois. Donc, elle est... Donc, chacun a pris son truc, de leur fonction. Donc, là, maintenant, j'essaie de reconstituer justement une partie de mon cabinet, Corinne, par exemple, et puis Linda. Mais là, c'est parce qu'on a une échéance, quoi, tu vois, que je prépare. Non, même le plateau. Ah, ben bah, oui, la question qui t'a été la plus posée, on ne peut pas finir sans parler de ça, excusez-moi. Donc, tu vois, et donc... attention. Et donc, j'ai préféré les privilégier. Plutôt que de me privilégier, moi. Ce qui fait que voilà pourquoi j'ai arrêté. La chaîne YouTube. Parce qu'en fait, elles n'ont plus le temps. Je les appelle, je leur dis, mais on fait quand la prochaine vidéo, on dit, bon boss, la semaine prochaine, on arrive. Non, c'est mais ça, bon. D'accord. Et puis, je me dis, c'est pas grave, quoi. Voilà. Non, mais écoute, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a une question. C'est vrai que oui, c'est la question de, est-ce que pour impacter, on doit forcément faire de la politique. La politique. La question, c'est pourquoi tu fais de la politique. Non, moi, je ne fais pas de politique à la base, déjà. Je veux qu'on soit clair. C'est-à-dire que moi, un poste de mairie, ça n'a jamais été un poste politique. Un poste de mairie, c'est un poste de gestion. Ah, intéressant. Donc oui, ça correspond plus à ce que tu disais, que tu es un bâtisseur. Absolument. Toi, tu veux rebâtir le plateau. La mairie, c'est inventer la ville, hein. C'est la sécurité, c'est la santé, c'est le transport, c'est l'écologie, c'est l'administration. C'est la culture, comme tu disais. C'est la culture, c'est tout ça. La mairie, c'est pas de quel parti politique je suis ou pas, tu vois, je veux dire. Donc à la base, la mairie, c'est pas du tout politique. Après, c'est vrai que du fait... De la configuration politique. Ouais. Il y a une lutte qui s'engage et quand tu es choisi par le parti au pouvoir pour être son candidat, c'est un honneur. Donc tu le prends avec plaisir et puis tu y vas. Donc je suis très content de ça. Mais la démarche de développement local, c'est elle qui est la réalité de la mairie, tu vois. C'est pas, ouais. C'est... La réalité n'est pas la gestion. Voilà, si tu vas à l'Assemblée, tu fais de la politique. Si tu vois des lois. Tu contrôles le gouvernement. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment, tu es dans la politique. Ah. Voilà. Alors que quand tu es à la mairie, mais la mairie, c'est inventer l'école pour les jeunes de la cité. C'est le social, c'est aider culture, les femmes. C'est la culture, c'est tout ça. Et moi, je suis un bouillon de tout ça. Moi, je suis un bouillon de gestionnaire, un bouillon d'entrepreneur culturel, un bouillon un enfant de là-bas. D'imagination, de société. Voilà. Et puis, je suis le fils du plateau. C'est ça qu'on m'appelle. Le fils du plateau. Kirikou, le fils du plateau. Donc, c'est ça qui te porte. Voilà. Et c'est ça qui me porte, en fait. Donc, oui, bon, il y en a qui s'appelaient et je suis heureux. Et il y en a qui ne s'appelaient pas, ben, c'est tant pis. Non, mais écoute, je pense qu'il n'y a pas à ajouter grand-chose à ça. Je trouve que c'est très, Tu sais, dans la vie d'un homme, à un moment donné, tu te dis, au début, tu te bats pour toi-même, tout seul. T'es tout seul. En plus, tu as ta mère, comme j'ai dit, tu as tous les gens qui sont pour toi. Ensuite, tu te bats pour toi, ta famille. Donc, tout va s'agrandir. Ouais. Tout va s'agrandir au fur et à mesure. Et puis un jour, tu te dis, mais tu te retournes, tu vois, ma communauté, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Ta communauté élargie, ouais, bien sûr. Élargie, comment je peux l'aider? Et moi, ma communauté, c'est le plateau. C'est là où j'ai grandi. Tous mes amis d'enfance sont là-bas. Il y a les gardiens que je connais depuis 40 ans là-bas. Ils m'ont vu, j'avais 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, ils me connaissent. Donc, j'ai dit, donc, il y a un moment donné, comment je fais? Et puis, quand tu as vu que la ville que tu as connue, qui était une ville moderne, une ville inventive, une ville, un bouillon, tu vois, en train de régresser, tu dis, comment je peux faire? Comment je peux aider socialement les gens? Sont dans la déchéance des fois, beaucoup de familles qui sont là où moi j'ai grandi sont dans la déchéance. Tu te dis, comment je peux aider? Au début, tu aides un peu toi-même. Oui, directement. Ouais. Voilà. Et puis un jour, tu te dis, écoute, on peut aider de façon plus structurée. Et donc, tu dis à tes gars, bon, les gars, on va s'organiser pour prendre la mairie et puis gérer ça différemment. Donc, nous, on a. Enfin, moi, je ne veux pas être prétentieux, mais si on gagne le plateau, et Dieu seul sait qu'on va se battre pour pouvoir le gagner. On va transformer tout, hein. Ça dit que ça va être Hollywood, hein. Ah, on aime ça, mais ça de près. C'est la vision, la défense, le truc. Beaucoup de gens qui me voient maintenant me disent, ah, on n'avait pas compris,
vraiment, on pense que tu es vraiment un bâtisseur, on voit ce que tu fais depuis. On pense que vraiment tu as donné le plateau, tu aurais changé tout, c'est vrai, mais on regrette et tout. Je dis, bon, c'est pas grave, rendez-vous le 2 septembre. Rattrapez-vous. Rattrapez-vous, c'est le moment. Non, mais écoute, on va suivre ça de près. Encore merci, Fabrice. Ouais. Là, là, là. Je pense que c'est le. Là, on a épisode fleuve, qui, voilà. Et pourtant tout est qualitatif. Donc, vraiment, pour ceux qui sont jusque-là, dites-nous quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez appris autour de l'utilisation des valeurs sur cet épisode. Vous êtes en live là, on est en live. Non, on n'est pas en live, mais les gens vont mettre des commentaires parce qu'après, il y a énormément de discussions, mais là, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment conclure, en fait, parce que... on a parlé de trop de choses. Voilà. Donc ça allait dans tous les sens. On va arrêter là. On va arrêter là. On va dire merci à Fabrice. Merci, Fabrice. Et vraiment, on vous attend dans les commentaires pour continuer les discussions. Ouais. Je crois que ça va partir dans tous les sens, là. On aime. Abonnez-vous avant de partir. Et comment elle s'appelle, la reine, comment, là? Oh, oh l'ami. Dis bonjour. Reine Sonia. Reine Sonia, elle c'est ça. Il a dit, il aime le piment. Non, reine Sonia du Cameroun. Elle va nous dire que le Cameroun est un continent, donc... Ah, elle est camerounaise en plus, elle. En plus. En plus. En plus. Rendez-vous à la Cannes, Reine Sonia. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Merci à tous. Bye. Salut. Bye.